Et salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 203 sur MX Réflexion Live. Ça fait plaisir de se retrouver, nouvelle semaine, nouveau live. Pour ma part, je reviens d'Afrique du Sud, donc plein de choses à raconter, mais pour ça, il faudra patienter un petit peu le temps que l'homme en noir en face de moi fasse des montages vidéo, parce qu'il a du taf, il a du taf après ce petit voyage. Mais bon, je vois que je suis rentré avec forcément la banane, mais lui aussi, il a le sourire, c'est ce bon vieux Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très bien. Toi, t'es quand même le gars heureux de l'équipe qui part en Afrique du Sud et il y a un besogneux derrière qui doit faire le montage. Mais non, ça va très bien. Content de retrouver tout le monde. Comme d'habitude, chaque semaine, quasiment chaque semaine, on va dire, avec un invité de marque, on va parler de pas mal de choses, de motocross, de supercross, de YouTube, de plein de sujets différents. Donc, L'enduro ça aussi, ne mets pas à l'écart va être l'enduro déjà d'entrée intéressant. de jeu. Un peu d'enduro, si tu veux. On fera une petite parenthèse par rapport à ça. Allez, Nico, je te laisse le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Avec une carrière en motocross et supercross très très bien remplie. Des podiums en championnat de France, participation à des finales même de SXUS. Et ouais, ça c'était pour la carrière sportive. Les plus jeunes, on va dire les moins de 20 ans, ne connaissent peut-être pas ça, mais bon, on a quand même envie de revenir là-dessus. On est des vieux de la vieille. On a envie de parler de tout ça. Et bah, désormais, il partage toute son expérience sur la chaîne YouTube MX Test. C'est Monsieur Pierrick Paget. Comment ça va, Pierrick? Salut à tous, salut à vous deux. Bon, Pierrick, tu nous as dit en off, les gars, allez-y, lâchez-vous, vous pouvez poser n'importe quelle question. Donc voilà, on va poser n'importe quelle question, on peut poser ce qu'on veut ce soir, donc ça sera assez intéressant. Et on sera sans filtre, comme d'hab, Nico. Ben, comme d'hab, on a même Olivier Nitard qui était impatient. Ouais, Il nous a écrit à c'est 9 pour ça. secondes du début du Alors live. là, j'ai on peut parlé de enlever le filtre. filtre. Hein. Là, on peut remettre le filtre, hein, par contre, c'est possible. Qu'à Olivier Nitard, on remet le filtre en général et puis on l'enlève quand il part. On va se débrouiller comme ça. Exactement. Ben, vous savez, les mecs, j'étais à Alès, moi, pendant tout le week-end. Alors, Ah ne, ne, oui. non, non, mais ne chope pas une érection tout de suite, Nico. Je Non, venais je de sais pourquoi. l'initiation moto et c'était pour le Highside Festival. Donc, avec Raph, on avait fait un gros stand, vous savez, pour justement le Highside. On a fait pas mal d'épisodes avec eux. Ils aiment beaucoup le tout-terrain. Donc, nous, on est allé sur leur événement très route pour faire un événement. Alors, c'était évidemment surprenant. J'ai vu des trucs de fou. Faudra qu'on en parle tout à l'heure quand même. Ouais, Bon, justement, on peut toi, aller, ouais. c'était une question que j'avais, tu as commencé. Ben, si je ne me trompe pas, par le motocross, tu as fait motocross, supercross. Et là, j'ai l'impression que plus tu prends de l'âge, plus tu te diversifies dans les disciplines. C'est pourquoi? C'est parce qu'un petit peu comme Nico, quand tu prends de l'âge, tu vas aller vers des disciplines un petit peu extrêmes et t'aimes te fouetter tout seul sous la douche, un peu comme Nico. Du Ouais, il y a un coup. peu de ça. Écoute, j'ai commencé en 2005, en fait, parce que je dois être quelqu'un de frustré un peu, tu sais, et un petit peu qui a la bougeotte. Donc, si tu veux, j'ai du mal à faire un seul truc. Donc, le fait d'avoir fait de 88 à 2005, tu vois, exclusivement motocross, supercross, quand j'ai arrêté ma carrière en 2006, j'ai décidé de faire tous les sports qui me plaisaient, parce que j'avais décidé de mettre un terme à ma carrière. Donc, du coup, j'étais parti sur faire tous les running, donc j'avais fait du trail, du semi-marathon, du marathon. J'avais fait tous les triathlons, donc le court, le semi, l'Ironman. J'avais fait également du vélo de route, j'avais fait l'étape du tour. J'étais parti pour écrire un livre en fait sur tous les sports qui me passionnaient, parce qu'en fait, tu sais, quand tu vas t'entraîner en enduro comme en cross, il y a toujours un moyen, il y a toujours un moment un pote, tu sais, qui fait du triathlon, qui t'emmène, qui vient avec toi, un mec qui fait du running. Et donc l'idée, c'était un peu de faire tous les sports. Et manque de bol, j'avais dit que dans la moto, l'idée c'était de faire cross, super cross dans la même année, enduro et endurance. Et le problème, c'est que la première endurance que j'ai faite, donc c'était la première épreuve de mes 12 travaux, c'était le Touquet, j'ai fait 3. Donc du coup, Yamaha m'a mis grappin dessus et j'ai fait pendant 4 ans, une fois de plus, donc ce que je déteste, toujours la même chose. Alors là, c'était en plus double punition parce que si tu veux, tu t'entraînais que au même endroit, à l'une plage. Donc du coup, c'était encore pire. Donc, malgré tout, j'ai quand même fait beaucoup de cross, d'enduro, j'ai fait du triathlon, j'ai fait du trail. Donc, c'était très sympa. Et puis, petit à petit, bah, si tu veux, quand on a monté cette chaîne YouTube avec Raphaël, on a commencé, donc, vous avez vu, hein, que cross, avec des petits soupçons de vintage. Parce que la limite, ah, c'était pas très vintage, hein, pour un mec comme moi qui roulait dans les années 94-95. Si tu veux, j'ai envie de te dire que c'était pas vraiment vintage pour moi. Et petit à petit, si tu veux, il y a un mec qui nous a dit, ah, vous devriez faire de l'enduro. Ah, vous devriez faire de la montée impossible. Ah, vous devriez faire du super motard. Alors petit à petit, ça c'est, et là, ça prend une tournure, mais ça fout la trouille. Ça fait la trouille parce que là, je suis en train de choisir quand même au mois de février entre la Perratoise et la Lestrem. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que là, c'est complètement débile le truc. On s'en rend Et compte. je suis pas loin y a les coupes promo sport de vitesse, là où je suis le plus nul, évidemment, qui me font de l'œil. Non, mais c'est
En fait, quand tu es curieux, et vous l'êtes, c'est impossible de choisir. Quand on t'invite en Afrique du Sud pour KTM, j'imagine que Husqvarna vous avait invité pour en Norvège. Mais il y a un moment, Ouais, c'est ça. tu ne peux pas choisir quand tu es curieux, tu es d'accord? Ouais, exactement. C'est nos femmes qui choisissent pour nous à ce niveau-là, en fait. Ah, Au mais bout c'est d'un moment. ça, hein, c'est la famille entièrement, exactement. Vas-y, Blaise, Vas-y, vas-y. vas-y, quoi, je croyais que tu étais sur les questions. Là, je relève en même temps les commentaires. On a pas mal de commentaires qui défilent. Juste, donc du coup, tu nous as parlé un petit peu de l'évolution, un petit peu de la chaîne. On a commencé à parler de MX Test. Est-ce que tu peux nous parler du début, de comment ça. Ah oui, bien Je sûr, là crois j'en ajoute le que c'était truc. l'anniversaire un petit peu, il n'y a pas si longtemps que ça, il me Et semble. oui, c'était lundi. Donc Voilà. c'est vraiment lundi, je ne sais même plus où on en est parce qu'on sort de 3 jours d'événements et on rattaque 3 jours d'événements. Donc je ne sais même pas si on est mardi ou mercredi. Ouais, comment ça, comment, ben, est-ce que vous vous connaissiez déjà avant? Est-ce Ouais. que ça s'est fait, il y a 3 ans? Voilà, explique-nous un petit peu comment ça s'est fait au début. Exactement. Donc en fait, si tu veux, Raphaël, moi je roulais en élite et en supercross. Donc je me battais en élite pour remettre les noms connus, hein. Parce qu'il y en a deux, trois qui ont disparu. Par exemple, Benjamin Coisy, aujourd'hui, il gère le domaine de Préfessal. Mais si tu veux, comme il est moins dans le business, peut-être que les jeunes le connaîtront moins. À l'inverse de David Villemain, qui lui est resté quand même dans le truc. Donc on va dire qu'en 2004, je me battais en supercross avec De Martis, avec Leray, je me battais également avec Benjamin Coisy et tout ça. Et si tu veux, Raphaël Sauze demande à De Martis de faire une vidéo avec lui. Parce qu'il sort de l'école d'audiovisuel. Et si tu veux, il adore le cross. Il fait de la moto à la Falaise Olivier. Il a commencé là-bas. Et donc, son rêve, c'est de filmer les champions. Donc, du coup, il appelle De Martis, qui a l'air d'être le plus accessible. C'est le cas. Hein. C'est un mec qui est complètement normal, vraiment pas star system. Et en plus, c'était sûrement le mec le plus. C'était une sorte de Axel Hodges, de Torronterra, si tu veux, à l'époque, il était capable de te faire un knack-knack énorme, de faire du freeride et de faire du supercross. Bref, il le contacte. Ils font une vidéo ensemble. Et là, il demande poliment à Steph DeMartis, mais il n'y a pas d'autre pilote que tu connais. Et Steph, sachant que je suis ouvert d'esprit, il dit bah, appelle Pierrick, je suis sûr qu'il dira oui. Alors Raphaël m'appelle timidement en disant est-ce qu'on pourrait faire une vidéo ensemble? Et donc, du coup, bah, il est venu à la maison. On a passé 2 jours ensemble. Et depuis ce jour-là, en fait, on a travaillé ensemble. C'est-à-dire que dès que Moto Évasion voulait faire une vidéo pour montrer les nouvelles fringues Answer, par exemple, à l'époque, bah, j'appelais Raphaël. Dès que on avait un projet commun à faire, eh ben je l'appelais. Alors que ce soit en photo ou en vidéo, il est sûrement peut-être même encore plus doué en photo qu'en vidéo. Mais la photo, c'est très difficile. Il y a beaucoup plus de monde qui en font, donc il est beaucoup plus connu sur ce milieu très difficile de la vidéo. Donc du coup, on a toujours bossé ensemble. Quand moi j'arrête ma carrière en 2010, je lance ma boîte de com, un peu comme vous d'ailleurs, hein, à chercher un petit peu des gens qui veulent des vidéos, des textes Facebook, vous savez, des textes pour les catalogues. Donc tout ce qui est texte, moi j'étais plutôt doué parce que j'avais fait beaucoup d'écriture avant, via les réseaux sociaux, via des livres. Et ben je m'occupais de cette partie, j'écrivais les storyboards, et évidemment j'appelais Raphaël Sauze pour ça. Et donc j'ai fait ça avec lui de 2010 à 2019. Et là, en rentrant de Chine, et ben donc je suis rentré de Chine, je pense le 1er février, le Covid est déclaré le 27. Ah, c'est toi qui as ramené le Covid, du coup. Non, Ah, c'est c'est pas moi marrant qui l'ai aussi. ramené. Ah, J'étais avec j'imagine. Cédric Lucas. Hein. Donc, à la limite, c'est peut-être par le sud-ouest qu'il a rentré le truc. Ça se pourrait, On c'est a pas fait une impossible, piste. Cédric, le connaissant. Voilà. On a fait une piste à Shanghai. Donc, du coup, voilà, on revient de Chine. Et si tu veux, au moment où tous on va dire, nos clients avaient besoin de vidéos, de textes, de trucs comme ça, il y a tout qui est bloqué. Et là, vous l'avez vécu comme nous, en se disant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que tous les gens qui étaient un peu dans le virtuel, c'est les premiers à qui les ponts ont été coupés. Et à l'inverse, c'est ça qui est marrant, c'est que 2 ans après, finalement, c'est eux qui ont eu le plus de budget, hein, le côté virtuel. Parce que comme les gens restaient à la maison, il fallait absolument les faire commander par Internet. Mais au moment où tout a été bloqué, bah, on était les deux, pas dans la merde, mais on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Lui rêvait de faire une sorte de Top Gear Highside. Moi, je rêvais de prendre mon camion et de vlogger. C'est-à-dire, moi, mon rêve, je l'avais proposé à Motoverte à l'époque. Est-ce que vous avez un budget? Je vais faire une course dans chaque ligue, c'est-à-dire que je fais 22 courses dans l'année. Et si vous voulez, ben je peux faire un reportage sur la région, je peux faire un reportage sur les pilotes non connus qui roulent super fort dans chaque région. Parce que vous savez que c'est difficile de gagner une ligue partout, hein. Oui, Par c'est trop exemple, dans les lignes. je ne sais pas si vous avez vu une sur Instagram, il y avait un jeune, le Condor, qui sortait toutes les performances de la dernière ligue de Bretagne. Il y a des mecs qui sont à 7 dixièmes de Mathis Boiramé.
Le mec, je ne le connais même pas. Donc l'idée, en fait, c'était moi de faire le Tour de France, puis d'aller dans chaque ligue pour ramener des reportages. Donc c'est lui qui a gagné. On a fait Iceland. Il m'a dit non, c'est compliqué, tu sais pas filmer, ça va être long à monter. Donc j'aimerais mieux qu'on parte sur des essais moto. Bon, petit à petit, vous l'avez vu, j'ai quand même gagné un peu parce que maintenant je vais faire de plus en plus de GoPro. Je vais faire des courses en Suisse. Il y a de grandes chances qu'on fasse d'autres courses. On a fait le Touquet. Donc du coup, on a fait un juste milieu entre les deux. Puis la chaîne, elle est née donc le 29 mai 2020, grâce au Covid ou à cause du Covid, j'en sais rien. On a mis 6 mois à toucher de l'argent de YouTube. Bon, c'était 100 balles, donc c'était pas fou. Donc du coup, on a continué à travailler à côté et on a mis un an à avoir suffisamment d'argent pour les deux arrêter notre travail et subvenir à notre famille. Ça n'a pas été simple non plus parce qu'évidemment, c'était le minimum syndical. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, ben, tout s'est bien enchaîné. Et puis on a surtout eu beaucoup de cordes à notre arc. Hein. C'est comme vous, j'imagine. Il n'y a pas que MX Réflexion. Il y a beaucoup de travail derrière que les gens ne voient pas pour continuer finalement la partie qu'on aime bien. Donc la partie qu'on aime bien, nous, c'est le vendredi. Alors c'était le vendredi à 19h. Aujourd'hui, c'est passé dimanche à 19h. Ça, c'est la partie qu'on voit, qui est visible. Mais il y a toute une partie qui est un peu moins drôle, qui est derrière, qui nous permet également de vivre. Aujourd'hui, on est 7-8 à travailler hein, pour MX Testa. Ouais, ça faisait partie de mes questions, justement, ça. Vas-y, vas-y, Nico. Ouais, je voulais revenir. Tu disais au début, tu vois, tu voulais proposer tes reportages à Moto Verte. Au final, t'es parti, vous êtes parti avec Raph ben, ensemble pour faire ce que tu imaginais. Je suppose qu'il n'y a pas de regret dans tous les cas, mais pourquoi ça ne s'est pas fait avec Moto Verte? Pourquoi ça ne s'est pas fait avec une autre entreprise d'ailleurs? Pas que Bah, Moto c'est une Verte, question de mais. moyens, si tu veux, c'est une Ouais. question de moyens, parce que Raphaël était d'autant plus. Alors lui, il m'a laissé demander, hein, évidemment, mais en gros, si tu veux, à l'époque où je l'ai demandé, Raphaël, lui, il était dans la même problématique avec Moto Verte, c'est-à-dire que la presse, elle était en train de diviser par 20%, enfin, tu vois, diminuer de 20%, 30%, 40%, et si tu veux, ils avaient les pauvres, hein, c'est pas de leur faute, hein, c'était pas un choix, hein, mais si tu veux, ils avaient de moins en moins de pubs, Internet arrivant, si tu veux, les budgets publicitaires arrivaient ailleurs. Donc, si tu veux, là où à l'époque de dorée, hein, on dit toujours, tu sais, l'époque de la CCA, l'époque de Moto Vert, les années 70, mais je veux dire, mais c'est facile quand Honda, ils ont 1000 euros à donner, ils les donnaient à Moto Vert. Il n'y avait qu'eux et c'était tout simple. Aujourd'hui, ils en donnaient 200 à Moto Crampon, 200 à Moto Vert, ils en mettaient 100 sur le marketing web, ils en mettraient un petit peu partout, si tu veux, tu vois. Et donc, du coup, Raphaël était dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il lui avait dit à Raphaël, fais des vidéos pour Moto Vert, puisqu'il les faisait à l'époque. Mais fait avec des mecs d'autour de chez toi. Alors, coup de bol, évidemment, les 75% des meilleurs pilotes français faisaient partie du bassin PACA. Donc, si tu veux, pour lui, c'était bien, mais si tu savais le nombre de DVD qu'il aurait aimé faire, le nombre de vidéos qu'il aurait aimé tourner en Belgique, en Bretagne, mais il n'a jamais pu non plus. Donc, si tu veux, la presse était en train de baisser et nous, on avait faim. Donc, clairement, on ne s'est pas limité à ça. On pensait que c'était une bêtise et on pensait que les gens ne nous suivraient pas. On a été plutôt surpris, bah, pour la même raison que vous, quoi. Si on nous avait dit, mais vous imaginez que Moto Crampon n'arrivait pas à faire à face à Moto Verte à l'époque. Si on m'avait dit, il y a deux mecs du Sud-Ouest qui allaient faire un média énorme qui ferait une interview du président de la FFM, mais on aurait éclaté de rire en 95. C'est-à-dire, c'était juste pas possible, tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle d'Alain Kulikowski, il avait créé Motocross Magazine, si je me rappelle bien. Si tu veux, le truc, il a duré, mais il n'y avait pas de moyens, c'était difficile et ils se sont fait écraser parce que, si tu veux, tu sais, il y avait la pression dans les chefs de pub, ils appelaient les mecs en disant, bah, va falloir arrêter de donner des pubs à lui. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué et aujourd'hui, nous, on est tous, vous savez qu'on est tous les enfants de Laurie, hein. Ça a été la première artiste qui n'est pas passée par une maison de disques quand même, hein. Elle est allée, à l'époque, ça devait être MySpace ou un truc comme ça. Elle est allée, elle a posté son album, elle est devenue une star. Si tu veux, sans passer par le côté maison de disques et tout ça. Et ben aujourd'hui, les petits jeunes, il y en a un paquet. Hein, vous les connaissez tous d'ailleurs, hein, Crossonly, Monsieur Motocross, Flo sous le casque. C'est des mecs qui arrivent à faire leur truc à eux, de leur façon, mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. Je suis pas toujours fan des échos de Crossonly. Je suis pas non plus fan des fois on va dire des choix de course, par exemple, de Flo sous le casque. L'histoire de Bercy, j'aurais pu lui dire comment ça allait se finir. Hein. Mais si tu veux, le gamin, il vit son rêve. Des fois, il se blesse. Des fois, ça réussit. Et je trouve ça génial parce qu'il le raconte surtout, quoi. Ouais, c'est vrai que justement, comme tu le dis, YouTube et les réseaux sociaux en général, ça a ouvert des portes
Et ça a ouvert des portes à ceux qui savaient les pousser. Contrairement avant à la presse où on était un peu, on avait un chemin à prendre et on pouvait pas en dévier. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu as mis un peu de temps quand même à réussir à en vivre, autant toi que Raph. C'est quoi aujourd'hui le business model? Nous, le business model, bon, il est simple, on le dit à chaque fois, c'est MX Réflexion, pour nous, c'est une vitrine. Et on vend deux choses. La première chose, c'est une boîte de com qui fait vidéo, réseaux sociaux. Deuxième chose, c'est de la formation. La formation pour la création d'entreprise et les réseaux sociaux et les vidéos. Et vous, à l'heure actuelle, c'est quoi le business model? Comment ça fonctionne et d'où vous tirez les revenus? Parce que clairement, le business model de la plupart des YouTubeurs, on le connaît, c'est je fais des vues, j'ai la pub YouTube qui me rémunère. Et ben, si un jour la publicité YouTube est divisée par deux, ben, mes revenus sont divisés par deux. Vous, je pense que ça a été un peu plus malin que ça, votre business model, mais explique-nous comment vous l'avez fait et comment vous l'avez fait évoluer au cours du temps. Oui, bah alors, écoute, moi j'ai toujours fait la même chose. Hein. À l'époque, tu sais, j'étais une sorte de Thierry Bétis. Hein. Donc moi, quand j'avais fini le Touquet, je faisais le cross. Quand je finissais le cross, je faisais le super cross. Yannick Tarr m'appelait justement l'été pour faire des stages de pilotage. J'ai jamais dit non à rien parce que je me suis dit, si jamais quelque chose ne marche pas, au moins j'ai ce truc. Donc j'ai toujours, toujours fait ça. D'ailleurs, quand je faisais le Touquet, si tu veux, j'étais engagé à mi-temps par Moto-Évasion. On va appeler ça le 3S des années 2000. Je m'occupais de son marketing et de son export, parce que je parlais anglais, allemand. Donc, si tu veux, je m'occupais de son export. Donc, j'ai toujours fait plusieurs choses. Donc, quand on a commencé MX Test avec Raphaël, clairement, on a tout de suite développé un peu tout ce qu'il y avait autour. Donc, je ne vais pas le cacher, hein, je peux même vous montrer l'écran. Hein, ce mois-ci, c'est 1400 euros qui tombent de YouTube. Donc, 1400 euros le mois dernier. On a payé, je ne vous parle pas de la boutique des produits, hein. Aux personnes qui travaillent avec nous, on a donné 20 000 euros. Donc aujourd'hui, si tu veux, on est sur un budget colossal. C'est-à-dire qu'on doit payer des monteurs. Tous les gens qui viennent travailler sur des événements, il est hors de question que ce soit des bénévoles. On veut qu'ils aient le smile, on veut qu'ils se bougent, on peut les appeler au dernier moment, ils viennent quand même. Donc si tu veux, on leur donne beaucoup à chaque journée. Donc, pour donner et payer, en plus Raphaël, sans parler de ça, mais Raphaël, il était monteur, il a été cadreur, il s'est fait chier dans la poussière, il a cassé son matériel. Donc, je peux te dire que s'il y a un mec qui va bien payer un cadreur et bien payer un monteur, c'est lui. Parce que moi, quand j'envoie les GoPros, qui a toutes les bandes qui sont décalées, que j'ai oublié le clap au milieu, vous savez ce que c'est, hein? Il y a du taf derrière. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un énorme besoin financier à chaque fois. Donc, comment on a fait? Bah, on n'a surtout pas compté sur YouTube et on a bien fait, parce que vous l'avez vu, hein, parce que vous avez dû aussi avoir des rémunérations qui étaient fortes en 2020, moins fortes en 2021, Qui ont baissé petit à petit, exactement. et voilà, qui sont de moins en moins fortes. Tout Et simplement parce Facebook, que... c'est encore plus amplifié. On était beaucoup sur Facebook, ils payaient énormément en publicité et Non, ça on a n'a jamais eu trop baissé. d'argent, nous. On avait 200 Nous, euros sur Facebook, Facebook, c'est très peu. à un moment donné, ça payait bien et j'ai l'impression que ça baisse petit à petit. Et à l'inverse, là, si tu veux, on avait 0 euros sur TikTok et là, ce mois-ci, on va avoir 200 euros. Alors, il n'y a pas de quoi en vivre non plus, hein. Mais vous voyez, en fait, par contre, ce truc, ce chiffre, montre bien que les budgets publicitaires, alors on ne parle pas des budgets publicitaires de Fox ou autres, hein. On parle des annonceurs comme je ne sais pas moi, comme NordVPN, qui mettent la pub, vous savez, à l'entrée, ou qui mettent sur le côté du site. On voit bien qu'eux décident plus ou moins d'en mettre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, et donc c'est eux qui dirigent un petit peu le truc. Il ne faut pas oublier non plus que le côté écologique joue. Donc, je ne suis pas persuadé que quelqu'un qui fasse de la van life gagne plus d'argent aujourd'hui qu'un mec qui propose, par exemple, de Lucien, tu vois, des machines, des voitures à fond dans les champs qui fument noir. Je pense que ça varie également. Donc, du coup, malgré tout, donc l'argent, on ne pouvait pas compter là-dessus. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, par exemple, BHR, vous savez, on avait fait une belle vidéo pour montrer la BHR. Eh ben, on a proposé à BHR nos services en version photo-vidéo. Parce que si tu veux, ce n'est pas une marque comme Yamaha et Honda. Et eux, ils avaient besoin de photos pour le catalogue, ils avaient besoin de matériel pour les réseaux sociaux. Donc, si tu veux, on leur a fait une facture de. On est resté un peu plus longtemps sur le circuit et on a fait toutes des séances photos, on a fait des séances vidéo pour qu'eux puissent utiliser sur leurs réseaux sociaux. On a fait ça pour beaucoup de marques également. On a également notre coaching motocross qu'on a lancé. Ensuite, on a lancé le coaching sable. Tous les ans, vous savez, on a un concours. Bon, alors, c'était pas. Alors, ça, c'est difficile d'appeler ça un revenu parce que chaque fois qu'on a fait un bénéfice,
on a dû gagner à peu près, je crois, 10 000 euros pour la moto de Raphaël. Donc, c'est-à-dire que la moto de Raphaël coûtait 5 000 euros, on a fait un bénéfice de 15 000 euros. Donc, du coup, les 10 000 euros de bénéfice, on aurait pu les utiliser, mais on les a mis de côté, en fait, pour acheter, vous savez, le trafic l'année d'après. Le trafic, on a mis une moto dedans avec des suspensions Bosch. Donc, du coup, le trafic de 10 000, il est passé à 25 000. Et donc, on l'a vendu. Là-dessus, on a refait un budget, donc un bénéfice, excusez-moi, de 10 000 euros. Vous faites 10 un ou 12. pourcentage, vous calculez à chaque fois un pourcentage, vous vous dites, bon allez, ben, je sais pas, peut-être 40% des gains, on les réinvestit, on Ah les non, remet non, en c'est jeu. totalité. Non, Totalité c'est parce qu'on les totalité. double, en fait. Donc là, on a D'accord. gagné 12 000 euros, je crois, sur l'histoire du trafic. On a eu un bénéfice de 12 000 euros, on l'a mis de côté. Et si tu veux, quand est arrivé le moment du sprinter, tu sais, le concours qu'on a fait en début d'année, eh ben, le sprinter, on l'a acheté 23 000 euros hors taxes. Et là-dessus, il a fallu faire tout le matériel, le covering, le truc. Donc, si tu veux, on a remis la même somme. Et là, rebelote, logiquement, je crois qu'on est à 20 000 euros, je crois, de bénéfice, un truc comme ça. Alors, vous Là, savez c'est terminé exactement hein, ce aujourd'hui, c'est bien ça? Là, Comment? c'est terminé, les enchères, c'est terminé, enfin, Oui, les il est achats. terminé. Normalement, on envoie l'Excel demain matin. Et normalement, vendredi, on aura le nom du vainqueur. Donc, les 20 000 euros de bénéfice, je vous le donne en 1 000. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les mettre de côté. Pour le mois de mai prochain, on va essayer de mettre 40 000 euros sur la table. Le but, c'est d'arriver à faire gagner des lots extraordinaires. Ce qui est un peu frustrant, c'est d'avoir un seul vainqueur. Donc là, je pense que l'année prochaine, il y aura plusieurs vainqueurs. D'ailleurs, on le voit actuellement avec GMK. Je ne sais pas si vous voyez tout se passer. Si tous ceux qui sont sur Instagram, normalement, ils voient passer des stories de GMK. Je ne sais pas, Nico, toi, si tu en as vu passer. Mais il fait gagner une Audi RS4 ou 5, 6, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est son jeu concours, il fonctionne et il fonctionne énormément. Il a peut-être 200 000 commentaires. Est-ce que tu penses que c'est à l'heure actuelle, pour percer, on est obligé de faire ça, de faire gagner des lots, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voilà qui enfin, est-ce que tu me dirais toi que c'est quelque chose qui te booste énormément on va dire la visibilité et le compte Instagram YouTube Bah tout écoute, c'est comme les revenus, c'est on va dire une petite part à chaque fois. Si tu veux, je pense que d'aller à Eyesight Festival et de rencontrer des mecs qui n'y connaissent rien dans la moto, leur expliquer ce qu'on fait, ça fait partie du truc. D'aller au Touquet, c'est pas drôle. Enfin, je veux dire, j'ai pas que ça à faire. Moi, je l'ai fait pendant 5 ans. Si tu veux, c'est moyen quand même. Mais si tu savais le monde qu'on a vu là-bas, si tu savais le nombre de personnes que j'ai rencontrées pendant les 6 mois de préparation, si tu veux, tous ces trucs-là font. Eh bien, si tu veux que la chaîne devient de plus en plus connue. Donc, c'est le concours, c'est le coaching, c'est les événements qu'on fait. Cette année, on a décidé de faire un seul Dirty Days, tout simplement parce qu'on va sur les événements des autres. D'ailleurs, j'aurais adoré, c'était il y a 2 ans, hein, je voulais venir à Gaillac-Toulza pour le vôtre, mais je trouve que le meilleur moyen on va dire, de montrer ce qu'on fait, bah déjà, c'est de charger le camion, puis d'aller prendre un petit peu son bâton de pèlerin, puis d'expliquer ce qu'on fait. Donc, on a déjà fait l'Enduro Pal du Touquet. Le salon, on a fait le salon de Lyon. Là, on a fait le Hi5 Festival. Il y a de grandes chances qu'on soit normalement au Alpes Adventure Festival. On sera aux Nations à Ernée. Donc, on ne peut pas être partout. Donc, on a évité de faire 5 Dirty Days dans la même journée, dans la même année. Mais au moins, vraiment, tu vois, c'est beaucoup plus large. On a fait une tribune à moto verte au Supercross. On a fait une tribune comme moto verte l'année dernière. Donc, ça, c'était sympa aussi. Normalement, le 11 juin sort un épisode, parce qu'on va peut-être faire quelque chose avec le World Supercross à Lyon. Donc, si vous voulez, je pense que, en fait, comme on parlait de l'argent, hein, il n'y a pas un seul gros gain. C'est plein de petits gains qui, d'ailleurs, si jamais il y en a un qui part en cacahuète, hein, il y a au moins les autres. Et pour la communication, c'est pareil. On peut pas se permettre de faire un seul truc. On peut pas se dire on a fait le concours et c'est bon, quoi. Tous les mois, on donne de l'argent à Facebook, il faut le savoir, hein. Parce que Facebook ne montre pas notre contenu à tout le monde. Et le but, justement, c'est que pour que les gens le voient, bah, faut sponsoriser certains posts. Il faut savoir investir. Alors ça, c'est la partie la plus dure, hein. Franchement, quand tu as galéré, vous le savez, vous, hein, quand tu as galéré pour avoir 5 000 euros sur ton compte et que tu te dis qu'il faut en dépenser 3, franchement, ce n'est pas le truc le plus agréable, hein. Quel que soit le nombre de zéros, hein, pour Lucien, c'est la même chose, hein. Lucien, c'est sûrement 500 000 sur le compte. Mais quand il dépense, c'est 300, hein. Quand tu dis Lucien, du coup, c'est Boiserie, pour ceux Oui, qui voilà, exactement. ne connaissent Lucien, pas. on a rencontré il y a 2 ans Lucien, et si tu veux, lui, le vendeur auto, Sarah Lesito, nous ont appris beaucoup de choses, parce que eux, ça fait 10 ans, c'est les darons dans le truc. Donc, eux, ils nous ont appris des choses, et clairement, la clé de Lucien, c'est le premier qui nous a dit, bah,
Parce que nous, avec Raphaël, on était partis pour faire les épisodes dans le Jura, les épisodes à Marseille, le studio, point barre, hein. On voulait profiter de la famille tous les week-ends. C'est lui qui nous a dit, mais vous oubliez, vous allez charger le camion et vous allez aller dans toute la France. Si je fais aujourd'hui, moi, depuis Angers, si je vais jusqu'en Belgique pour faire des journées éphémères, là, comme il appelle ça, où il vend des t-shirts et il signe des autographes et il fait des selfies, et Dieu sait si sa communauté est fatigante à Lucien. C'est-à-dire qu'ils veulent tous un morceau de Lucien. Hein. Ils lui sautent dessus et ça n'a rien à voir avec un autre. Vous et moi, si on vous croise, vous les avez déjà vus sur les courses de moto, ils vous croisent, ils font ah, c'est MX Réflexion. Lucien, c'est pas ça. Hein. Lucien, il le chope par la manche, il le tire, hé hey, Lulu, en hurlant. Hein. Et si tu veux, s'il le fait toutes les 2 semaines, c'est parce qu'il le doit déjà à eux, ça c'est la première chose. Et ensuite, le seul moyen de se développer, c'est le moins, c'est voilà, vous l'avez vu hein, pour la sortie d'Astérix, je crois que c'était impossible de ne pas avoir Canet quelque part. Pourtant, Dieu sait s'il si n'en a pas besoin financièrement. Le film va bien, mais quelque part, il a dû faire toutes les radios, toutes les chaînes YouTube, toutes les télés. Enfin, j'imagine que ça devait être fatigant pour lui. Hein. Oui, c'est sûr. On avait la Elle est question venue d'où cette justement. rencontre, du coup, par rapport à pour terminer sur Lucien, Ouais, c'est justement, mais comment vous êtes j'étais sur ça rencontré? moi aussi, parce qu'on avait vu passer, et je te complète, Nico, on avait vu passer ça en début de live, et on l'a entendu quand même pas mal. Donc, c'est David qui dit, tu vas pouvoir dire à Pierre qu'il s'est associé à Lulu pour avoir des abonnés. Donc, raconte-nous comment ça s'est passé au début. Est-ce qu'au début, c'était purement parce que tout le monde s'est dit ça au début, quand tu t'es rapproché de la chaîne La Boiserie, tout le monde s'est dit, ben oui, c'est normal, il a je sais pas combien de millions d'abonnés, vous en avez moins. C'est logique, tu vas essayer de prendre des abonnés, de t'associer pour grossir plus vite. Ça peut être logique. Est-ce que ça s'est passé comme ça au début déjà? Et est-ce que c'était purement pour avoir des abonnés et qu'après tu as découvert une belle personne? Ou est-ce que non, au début tu l'as d'abord commencé à le connaître et voilà, explique-nous un petit peu l'approche par rapport à la chaîne La Boiserie, à Lucien que nous on ne connaît pas et comment ça s'est passé et comment il est concrètement dans la vraie vie. Bah écoute, en fait, Lucien, c'est lui qui avait fait une story. Tu sais, il était dans un garage auto. Et il était avec Hugo Pro, si je me rappelle bien. Et si tu veux, il parlait de, ouais, est-ce que tu as vu la chaîne de puristes, là, qui parle du CR et tout? Et si tu veux, à l'époque, on avait, je crois, 8 000 abonnés. Hein. On avait sorti la 2,5 CR, on avait sorti la Ténéré avec Nuque, on avait sorti si je me trompe bien, pas la 500 YZ. Celle-là, elle n'avait pas fait parler d'elle parce que la moto était un peu différente parce que j'avais envoyé le pâté ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Hein. Le circuit de Magesque, le sable, si tu veux, c'est très visuel. Vous êtes d'accord que le sable, ça te fait des ralentis. Tu mets RAF, des ralentis, une 500YZ, moi un peu en forme ce jour-là. Si tu veux, le terrain, tu sais, pas trop troué, mais quand même un petit peu avec de l'adhérence. Si tu veux, ça avait fait un combo que la vidéo avait bien marché. Et donc, si tu veux, c'est Hugo Pro et lui qui parlent en story. Et au moment où ils parlent de nous, vous imaginez bien que tous les mecs qui nous connaissaient nous a envoyé le lien de la story via les réseaux sociaux. Et si tu veux, on avait trouvé ça marrant. Et il a recommencé une deuxième fois, une troisième fois. Et c'est là qu'on a envoyé un message en disant, Salut Lucien, est-ce que tu veux qu'on fasse un épisode ensemble? Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bah, tout simplement parce que moi, j'avais été voir toutes les chaînes YouTube. Mais quand je vous dis toutes les chaînes YouTube, il y en avait un paquet à l'époque. Hein. Donc j'ai regardé ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Ce que faisait Lucien avec les voitures, aucun intérêt. Moi, je sais même, enfin, pour moi, 4 roues, c'est un trafic pour mettre la moto dedans. Hein. Et je pense que vous êtes comme moi. Hein. À l'inverse de Raphaël, qui lui est beaucoup sensible à tous les trucs à moteur. Mais il a même, vous savez, il a même fait beaucoup de vidéos de yacht avec The Apertures, avec Arnaud Sius. Donc il a fait du VTT. Alors que moi, non, clairement, c'est le trafic, la moto dedans. Et donc, si vous voulez, quand je regarde sa chaîne, je tombe dans son atelier en train de remonter des moteurs de 500. Il remontait la boîte les yeux fermés. Et je me suis dit, bah, le mec, il a quand même quelque chose. Et donc, on s'est dit, bah, le truc qui pourrait nous réunir, c'est finalement ce côté vintage. Le reste, j'y voyais pas. Hein. Il faisait du super motard avec un casque jet. Il n'y avait rien sur sa chaîne qui donnait envie de faire quelque chose de MX test avec lui, si ce n'est ce côté, je démonte les moteurs de 500 CR mieux que moi. Donc, on va là-bas le rencontrer. Je me chiais dessus. Je suis arrivé, il y avait le. Parce que je me chiais dessus par rapport tu sais, à l'angle à apporter. J'allais pas vendre mon âme au diable pour des vues. Donc, faire un reportage sur lui, il n'y a aucun souci. Mais si tu veux, au même moment, on arrive. Alors, il avait sorti tous ses jouets. Il était habillé en crossman.
Donc le mec était possédé. Il n'avait qu'une envie, c'était de faire un épisode de Mixtest. Il nous a sorti sa demi-CR, sa 4,5. Il nous a sorti tous les trucs qu'il avait. Alors je ne vous dis pas le goût. Il y avait un casque violet, un pantalon vert et un maillot bleu. Enfin, il portait pas de genouillère. Il avait mis la La grosse culture en dénaise. motocross, quoi. Voilà, il avait mis la grosse dénaise en dessous. Tu vois, il n'avait pas les codes et tout. Et si tu veux, on a fait un interview avec lui. On a rigolé, mais toute la journée, parce qu'il était gentil, parce qu'il expliquait les choses. Et il faut, vous le savez, vous, hein, il faut 5 minutes pour voir si quelqu'un est intelligent ou pas. Et en l'occurrence, on est tombé sur notre cul. Parce que le côté un peu YouTuber, Inoxtag, Michou, il a envie de le montrer, tu vois, pour coller à une communauté, on va dire, qui a envie de délirer, qui n'a pas envie de parler à un prof, quoi. Contrairement à ce qu'on fait Raph et moi, hein, ça fait très scolaire, hein. Franchement, on n'est pas prêt d'avoir des 12-14 ans sur notre chaîne, hein. Mais en l'occurrence, on a découvert quelqu'un de sympa, et puis tout de suite, là, ça aurait pu s'arrêter là. Et en fait, c'est là qu'il a dit, les mecs, qu'est-ce que je faut que je change? Alors on lui a dit, bah, déjà, tu vas enlever ton pare-pierre, tu vas remettre un truc Fox, tu vas mettre des genouillères, parce que le jour où tu vas prendre une ornière, tu vas taper le pied dedans, tu vas arrêter d'écarter les genoux dans les sauts, et si tu veux, il est venu avec nous s'entraîner, et c'est devenu une belle amitié, parce que plus je lui donnais de conseils de pilotage, plus il nous demandait des suspensions usine, des motos classe, noires, rouges, sobres. On a même fini par faire un épisode pour lui, pour sa moto. Ensuite, si tu veux, lui, dans l'autre sens, bah, il se disait, je vais vous donner des conseils, mais par exemple, pour Instagram, il faut faire ça, ça, ça. Pour YouTube, il faut faire ça, ça, ça. Donc, si tu veux, ça a été un bel échange. On a eu cet échange avec Sarah Lesito. On a fait moins d'épisodes avec elle parce qu'évidemment, elle était beaucoup plus, si tu veux, elle part de pays en pays. On a eu cet échange-là, mais encore peut-être plus poussé avec le vendeur auto, parce que lui, clairement, je pense qu'il nous donne à peu près 3 mois de conseils. Il nous a tous les jours au téléphone pour nous aider avec les marques. Parce que vous savez, dans le monde de YouTube, les marques, elles ont tendance à nous inviter gratuitement pour qu'on fasse du contenu gratuit. Mais aujourd'hui, faire une vidéo comme Raphaël, il l'a fait, le tarif, il est entre 6 et 10 000 euros. C'est-à-dire que nous, quand on fait une vidéo sur la 3NU Husqvarna 2023, où on explique à quel point elle est bonne pour faire du motocross, on donne les défauts, évidemment, hein, que le frein avant, c'est une grosse merde. Si tu veux une vidéo comme ça, si tu dois la vendre à Husqvarna, en enlevant le côté frein avant, c'est de la merde, c'est 10 000 euros. Donc, je peux te dire un truc, c'est que le vendeur auto nous dit, n'allez jamais faire une vidéo gratuitement, alors que, par exemple, Husqvarna vont mettre des pages de pub énormes dans tous les magazines, vont payer tous les médias, et vous allez arriver, vous allez faire une vidéo de 40 minutes pour eux, comme ça. Donc, il dit, vous oubliez. Ce qu'il faut faire, c'est être libre. Vous faites ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce au conseil de Lucien, du vendeur auto, eh ben, on fait toujours autant de vintage. On fait toujours des projets qui n'ont absolument rien à voir avec le business. Alors c'est sûr qu'on pourrait faire des motos neuves tout le temps en permanence. Ce n'est pas eux qui vont pas nous envoyer une moto neuve. Hein. Que ce soit les magasins, les constructeurs, ils pourraient tous nous envoyer des motos neuves. Mais franchement, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de la 100 cm3 à variateur. Non mais ça aurait été con de pas le faire cet épisode. J'ai jamais été aussi vite avec une moto tu vois, sans forcer, quoi. Je passais plus de vitesse, j'avais plus de pédale de frein arrière, plus de sélecteur. C'était canon. Et l'histoire de l'électrique qu'on a fait dimanche, si on avait dû attendre Starvag pour l'avoir, la moto, on l'aurait jamais eu. Je sais pas si vous êtes d'accord. La liberté, elle a quand même un prix, hein. Et Oui, bah oui, dans sûrement, certains, il bah faut après, remonter t'es obligé, jusqu'à. d'être libre et de dire ce que tu penses aussi, sinon au bout d'un moment ça se voit et tu perds en légitimité. Donc Voilà, donc le clairement. côté abonné, par contre, c'est sûr que c'était le fait de faire des trucs avec Lucien, ça nous amène des abonnés. Donc clairement, Lucien a fait que ça. Lucien ne fait pas de vidéos, vous le voyez, quasiment en collab avec des gros abonnés, excusez-moi, avec des gros youtubeurs. C'est-à-dire, Lucien, il a 1,5 million, vous ne le verrez jamais faire des collabs quasiment, à part le vrai bouseux. Je pense qu'il ne fait jamais de collab avec des 3-4 millions. Il passe son temps à s'entourer de gens passionnés qui ont des petites chaînes, comme Aerograph Fokker. Comme nous, comme comment ça s'appelle, Shiftech, comme UG Motors, on a tous entre 10 et 80 000 abonnés et il passe son temps à nous aider. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Dans le même sens, bah, il nous a demandé de faire la même chose. Donc nous, tous les Dirty Days, on a invité tous les gens, quel que soit le nombre d'abonnés. Alors certains ne viennent pas. Et puis des fois, bah, on pourrait s'approcher de gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais quand le courant passe pas. Bah, on fait pas, hein. Il y en a un paquet, hein, qui font de la moto, qui
qui ont des chaînes YouTube, qui ont même plus d'abonnés que nous, le courant passe pas. Donc on fait pas, hein. On va pas se forcer non plus pour ça, hein. Tu nous as parlé de moto, chez Mixtest, vous testez beaucoup de motos. Moi, j'avais une question par rapport à la moto que tu as trouvée le plus fun, toi, sur tous les essais que tu as fait. La plus fun, c'est celle avec laquelle je m'amusais le plus ou Ouais, celle avec laquelle non, vraiment celle avec j'allais laquelle tu plus? t'es. Non, celle avec laquelle tu t'es le plus amusé. Vraiment un fun, tu sais, en termes de pilotage, d'amusement sur la journée, tu te dis, ouais, cette moto-là, je me suis vraiment, vraiment, vraiment régalé. Bah, clairement, c'est toutes les motos qui sont pas puissantes. Ah ouais, toutes Toutes celles les motos qui. pas puissantes. Ah oui, là, c'est clairement. Je vais te citer la 125 Mugen de 89. Là, le combo circuit de Cogolin à Saint-Tropez, là, tout neuf. La 125 qui craquait, qui se pilotait que dans les tours, pas trop de puissance, tu te fais pas peur avec, des bonnes suspensions, c'était incroyable. La 50 Valenti qui montait à 17 000 tours, c'était fou. On a fait on a fait une vidéo là de la 2,5 Kayo. Tu sais, c'est les 2,5 4 temps à air là, chinoise. Non mais là, c'est comme si tu donnes un C'est pit pas du bike tout de à un puissance gamin là. pour la première fois. Il n'y a pas du tout de puissance dans ces motos. Ah, mais C'est. puis il n'y a pas de limite surtout. Si tu veux, quand j'arrivais dans les. Je sortais de l'épisode, tu sais, de vitesse. On est allé faire un épisode de vitesse avec Lucas Mayas. Et si tu veux, j'avais dû faire attention au moindre millimètre de mon coude, de ma poignée de gaz. J'étais frustré de partout. J'ai eu l'impression, après cet épisode, que je ne savais pas faire de moto. Que j'étais tout, mais pas fait pour être sur deux roues. Et là, au moment où je remonte sur la Kayo, j'arrivais au freinage, je faisais glisser l'avant, glisser l'arrière, j'accélérais, je cabrais, je sautais les trous. Oh, j'avais l'impression d'être Erling. C'était dingue. Non, clairement, à chaque fois, moins la moto est puissante, plus c'est cool. Ah bon, personnellement, c'est vraiment. Alors, ça va. Enfin, vous ne l'avez pas encore essayé, mais moi, celle avec laquelle je me suis le plus amusé et qui m'a le plus surpris, c'est la Stark Varg. Vraiment, pour Ah l'avoir bon, on n'a pas essayé. essayé, nous, on attend. Voilà, On vous leur l'avez met pas la essayé. pression. C'est pour ça que je vous dis ça, mais je ne l'ai pas assez essayé. J'aurais aimé l'essayer beaucoup plus et faire des séries beaucoup plus longues, mais c'est vrai que la Stark Varg, tout le monde disait, oui, c'est pas bien électrique, oui, ceci, cela, mais c'est vrai que quand tu l'essayes, quand tu essayes cette moto, qu'elle est bien réglée, nous, on avait les mécanos qui nous la réglaient comme on voulait, autant au niveau des suspensions que de la partie puissance, que frein moteur, voilà, tout est paramétrable. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment régalé. Il me tarde une chose, c'est de remonter dessus pour confirmer en fait ce que j'ai en tête. Peut-être que je serai déçu quand on l'aura, enfin, quand on la réessayera, mais en tout cas, j'ai gardé un très bon souvenir de cette moto et il me tarde de réessayer sur une journée complète sans avoir quelqu'un qui te dit d'arrêter Oui, et au puis bout de sur tant tes de tours. spots. Et sur tes spots Voilà, aussi, où tu as exactement. des, où tu as des, où tu as des repères et tout ça. C'est Ben ça, et nous. c'est surtout faire les chronos, tu sais, arriver à faire les chronos, parce que là, on n'a pas eu l'occasion de la faire, sur notre propre circuit, avec un 2,5 et un 4,50 en face, pour voir laquelle va le plus vite. Bah, il me tarde vraiment de faire tous ces essais un peu plus poussés avec cette moto-là, quoi. Et toi, Nico? Ben, j'ai en train de réfléchir, moi j'en ai plein des motos, mais c'est en fonction de la discipline. Du coup, ça va être un peu relou comme réponse, mais. En enduro, je sais très bien laquelle tu vas choisir. La X-Trainer, la Beta X-Trainer, c'est cool, c'est Ah, tu vois, des j'aurais dit la motos 200 faciles. bêta. J'aurais dit la 200 bêta, tu Non, vois. ouais, c'est Bah, celle-là, ouais. c'était le coup de cœur de Raphaël. Il s'en est parmi. Hein. La Elle est bien cette 200 moto, la bêta, moto. Ouais. enduro comme grâce, 280. hein, franchement. Hein. Moi, la Ouais, non, 300 elle est. Sherco, je l'avais trouvée excellente. On tanne Sherco. On ne demande jamais aux constructeurs parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont des dates, parce que voilà, on a fait un épisode une fois sur une moto, on a commencé à la critiquer, on a critiqué les pneus. Et si tu veux, l'autre, il nous a reproché qu'on avait critiqué les pneus. Donc, si tu veux, il y a un moment, on n'a plus envie trop de faire avec les constructeurs, mais malgré tout, de temps en temps, c'est intéressant. Mais là, on est en train de tanner Sherco, parce qu'on aimerait beaucoup faire un match 300, si tu veux, 4 temps, 2 temps. Et donc, on espère qu'on la fera. Si la 2-300 2 temps Sherco est aussi bonne que la 300 4 temps, ça va être un match vraiment super intéressant, en cross d'ailleurs, comme en enduro. On avait le projet d'ailleurs avec Sherco, on avait tellement aimé la 300 qu'on voulait créer, tu sais, une moto 100% française. Neken, Boss, Michelin, Sherco, Kutvec, on voulait mettre toutes les marques françaises qui existaient sur la même moto, tu sais, demander un super graphique, pas bleu, blanc, rouge, tu vois, un truc peut-être bleu marine, un peu comme l'équipe de France. Enfin, on voulait faire une super moto, mais ça s'est jamais fait. Alors, le problème, c'est que c'était le Covid, et je crois qu'ils n'arrivaient pas à livrer les motos à mesure, Sherco. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai du mal à en avoir une.
Bah, du coup, En tout Nico, cas, t'as mais pas tu de vois, moto. t'es T'as d'avis pas de de dire, cross, t'as pas de Pierrick, il cross n'y a pas préféré, toi, Nico? de cross préféré. Non, franchement, de cross préféré, là, comme ça, j'en ai pas. Après, de toute façon, je suis toujours bluffé, moi, quand je monte sur un 2,5-4 temps cross. Je trouve que c'est des motos, franchement, de nos jours. C'est pas étonnant qu'ils en vendent beaucoup. C'est que c'est beaucoup moins exigeant qu'un 4,50. C'est facile à prendre en main et c'est très, très efficace. Et je voulais en venir à cette question suivante. Toi, Pierrick, tu penses qu'il y a vraiment de mauvaises motos de nos jours qui sortent, quelles que soient les marques? Ah, en tout cas, clairement, moi, j'ai une différence de vitesse suivant les motos. Clairement, moi, sur une 3,5, je vole. Il n'y a même pas photo. La 2,5 m'en manque un poil, mais de moins en moins, parce que tous les ans, il y a deux chevaux qui arrivent. Donc là, Ouais, c'est ça. le gap, il est de moins en moins gros. Mais la 3,5, elle est clairement, c'est la moto fabuleuse. Parce qu'on n'a pas des terrains aussi exigeants qu'en MXGP, donc pas besoin de la 4,5. On n'a pas besoin de sortir de la grille comme en MXGP, donc on n'a pas besoin de la 4,5. La 4,5, pour moi, c'est beaucoup trop. À moins que tu roules dans le sable en permanence. Et Ah, puis les encore, hein, circuits sont franchement. moins adaptés maintenant. Quoi, des circuits de Grand Prix en ligue, on en a de Mais bien moins en sûr, il y a moins. des On a sauts. tout cassé la vitesse, c'est ce qui est une bonne chose, hein. À Beauvoisin, tu n'as pas mis gaz, qu'il y a un saut, tu n'as pas freiné, qu'il y a un virage. Enfin, je veux dire, alors que c'est un des terrains les plus gros qui existent quasiment dans le sud de la France. Mais si tu veux, à la Falaise d'Olivier, à part le camel en montée, il n'y a rien. Donc c'est que de la technique. Donc franchement, aujourd'hui, pour moi, la meilleure moto, c'est la 3,5. Mais si je devais en choisir une deuxième, bah c'est la 2,5, hein, tout simplement. La 2,5F, c'est incroyable. Justement, quand on a fait les essais KTM, c'était KTM Husqvarna, on avait essayé d'abord les deux temps, tu sais, 125 injection, Oui. ensuite on a essayé la 2,5 injection, 2,5 injection, et c'était aussi la 300 injection, Il y deux a temps. 300, il y a. Et du coup, j'avais fait ça, 125, 2,5, 300. Putain, je me disais, mais elles sont top ces motos à injection, c'est nickel, il y a de la reprise et tout. Donc en fait, tu sors de ces motos et tu te dis, c'est des bonnes motos, c'est sympa à rouler, j'ai l'impression d'aller vite en plus avec ces motos. Et puis, quand tu fais le gap, que tu passes sur un 2,5-4 temps, tu dis, ah ouais, non, en fait, c'est pas possible. On va encore plus vite avec un 2,5-4 temps. Tout est encore plus facile. Tout est gommé, en fait. Le pilotage est beaucoup plus simple. Et c'est là qu'on se rend compte que, quand même, pour aller concurrencer le 2 temps, le 4 temps, pardon, avec un 2 temps, c'est compliqué. Même, je trouve, et on en parlait la semaine dernière ou la semaine d'avant, un 2,5-2 temps contre un 2,5-4 temps, je trouve quand même qu'à l'heure actuelle, surtout avec les Autrichiennes qui ont des puissances relativement élevées en 2,5, pour moi en tout cas, avantage aux 2,5-4 temps. Oui, et puis le plaisir, hein, tu peux faire 20 tours, tu as pas mal au bras, tu as du frein moteur, ça démarre au premier coup de bouton. Enfin, non, non, c'est clair qu'il faut aussi se rendre compte, et puis dans 10 ans, ça sera l'électrique. Mais c'est comme ça, hein, c'est tout. Personne ne peut me dire que j'aime pas le 2 temps. J'ai passé 18 ans sur des 2 temps. C'est très très bien, et encore aujourd'hui, j'aime rouler sur un 2 temps, mais il faut quand même savoir. La différence entre avoir du plaisir et aller vite. Et si tu dois aller vite aujourd'hui, tu prends une 2,5-4 temps. Hein. Tu sais, quand j'avais suivi Vial sur l'Europe en 2018, il y avait déjà des mecs avec des 2,5-2 temps. Hein, et ils prenaient des voies, à part dans la boue, où le 2,5-2 temps, bizarrement, le 2 temps est toujours meilleur, plus léger, plus agressif. Et ben, si tu à part dans la boue, franchement, tout le temps, ils prenaient des volets, alors que c'était un super bon pilote anglais. Hein. Ouais, ça ne m'étonne pas. C'est sûr que c'est. Oui, et puis ne vous méprenez pas sur des pilotes comme Mio, qui roule avec le 2 temps en élite et qui est devant. Tu lui mets une très très bonne 2,5-4 temps, il va être devant pareil, il hein, faut pas rêver. Hein. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière. C'est-à-dire qu'un gars qui ferait un top 5 avec une 2,5-4 temps ferait aussi un top 5 avec une 2,5-2 temps. Donc Alors, ce voilà, qui il y serait a. rigolo d'ailleurs, c'est de voir Goupillon avec une 2,5-2 temps à la dernière de l'élite. Il va gagner pareil et tous ils vont se dire, ah, le 2,5-2 temps, ça craque. Hein. Mais non, c'est juste Goupillon qui est très très rapide, c'est tout. Ouais, le pilote fait quand même beaucoup, même à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, en motocross, reste un point fort, je trouve, personnellement. C'est que en motocross, même si on a une moto d'origine, jusqu'au niveau élite, on peut être devant. Alors que dans d'autres disciplines, en route, en Formule 1, dans d'autres disciplines auto surtout, et même moto de route, si on n'a pas la bonne moto, c'est compliqué. Donc ça, c'est un gros avantage quand même qu'on a dans nos sports mécaniques tout-terrain. Ouais, et puis nous, bah, on pourrait parler à Nico justement pour l'enduro. Bah, si tu veux, moi, au moment où je faisais les Grands Prix, le mec qui gagnait en enduro, c'était Shane Watts. Et il avait une particularité, c'est qu'il roulait avec des motos stock. Et donc, il avait demandé à KTM une 125, scratch mondial, une 2,5, scratch mondial, une 4,5, scratch mondial. Il avait gagné tous les scratchs avec toutes les motos du groupe KTM stock.
Il arrive aux ISDE, ils n'ont même pas changé le setting dans la fourche. Le mec était, si tu veux, l'enduro, c'est le seul endroit, je pense, où on ne sait pas si le 2. Autant en hard enduro, tu ne peux pas prendre un 4 temps. Autant en cross, tu ne peux pas prendre un 2 temps. Autant l'enduro, je trouve que la question se pose encore. Qu'est-ce que tu en penses, Nico ? Ouais, je suis d'accord avec toi. J'en ai discuté avec Johnny Aubert, justement, tu vois, il y a 2 jours. Et je lui ai demandé c'est quoi la moto pour faire du scratch en enduro ? Ça serait quoi, selon toi ? Il m'a dit, franchement, ça dépend du pilote, de ses préférences, mais en enduro, on peut gagner avec n'importe quelle machine. J'étais assez surpris de sa réponse, au final. C'est cool, d'ailleurs. Je me suis dit, ouais, avec les 2,5, 4 temps de nos jours, enfin, voilà, c'est des machines de guerre et très faciles à piloter. Je me disais, en enduro, forcément, avec la 2,5, 4 temps, c'est l'arme voilà, pour gagner du scratch. Et il m'a dit, non, pas forcément. Le truc qu'on a repéré avec Raphaël sur la chaîne, c'était que les cylindrées étaient mal faites. 125, c'est nul. En fait, la 150 est 100 fois mieux. 2,5, c'est nul. Une 300, c'est 2 fois mieux. Une 450, c'est nul. Une 400, c'est beaucoup mieux. Si tu veux, les gens se sont un petit peu... Enfin, les règlements, je trouve qu'ils ne sont pas adaptés. Parce qu'une 150, c'est rien d'autre qu'une 125 qui n'a pas de trou en bas. Une 300, c'est une 2,5 qui ne serait pas violente. Donc, clairement, je suis en tout cas persuadé qu'aujourd'hui, les meilleurs cylindrés restent quand même les cylindrés intermédiaires. Et c'est pour ça que je reviens sur si je dois prendre un 2 temps, ça sera un 300. Si je dois prendre un 4 temps, ça sera un 3,5. Je pense que 4,5, c'est trop et 2,5, c'est un poil exigeant. Ça s'enflamme dans les commentaires sur les motos. N'hésitez pas à nous dire votre moto préférée aussi en commentaire. Il y en a qui se sont lâchés la 200 bêta. Je vois rien du tout sur les commentaires, moi. Ah non, putain, il faut que j'actualise. Ah, pas dans le chat privé. Le chat privé, c'est pour envoyer des nudes à Willy Nittard, si tu veux, mais pas très. T'es sérieux ? Putain, j'ai rien du tout. Il nous parlait d'ailleurs tout à l'heure, il nous a parlé. Bon, le commentaire est trop loin pour que j'aille le récupérer, mais il était marrant. Ouais, bon, ça parlait de Lucie, ça m'a piqué les yeux, j'ai pas osé l'afficher. Ah là 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 là, j'ai été une semaine pour lui donner un petit coup de main. Il avait un moniteur blessé, donc j'ai donné un coup de main pour aider un autre moniteur. Et si tu veux, j'y ai eu droit pendant une semaine. Alors, j'avais amené mes deux enfants qui ont fait leur première semaine à Cross-Up. Et si tu veux, alors toute la semaine, ils ont eu droit avec leur mère. Toute la semaine. L'inverse m'aurait semblé bizarre. C'est exactement. Alors, je vous passe. Tu sais, j'ai écrit trois bouquins. Un sur le pilotage, un sur la compétition et un sur l'entraînement. Donc, la partie entraînement, je n'avais pas de photo de gainage. Donc, si tu veux, j'ai pris Lucie en photo et je l'ai mis en double page. Donc, à chaque fois qu'il montrait le bouquin, il faut acheter des livres où il y a tout écrit dedans pour s'entraîner. Et paf, la double page avec Lucie. Alors, mes enfants rigolaient. Voilà, c'est assez rigolo. Je suis en train de l'afficher, tu vois. Ah oui, bah c'était moi. Non, mais t'es tout le temps blessé, Olivier. Non, mais c'était moi. Parle pas à l'imparfait. C'est moi. Comment ça se passe d'ailleurs pour toi, Pierrick ? Tu es obligé à chaque fois de. Enfin, est-ce que tu as ton DEGEPS ou est-ce que tu es obligé de faire du coaching avec un moniteur à côté ? Comment ça se passe ? Non, c'est juste du conseil. Donc, quand j'avais suivi. Alors je peux suivre quelqu'un, évidemment, comme le père suit son fils. Hein. Je peux aller avec quelqu'un sur une course pour lui dire là, t'es nul, là, t'es bon, prends à droite, prends à gauche. Ça, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de limite. Mais par contre, quand tu arrives sur un circuit, si tu veux, quand tu encadres des enfants, il y a déjà un ordre à respecter, il y a de la sécurité à respecter, il y a des assurances à avoir. Donc ça, c'est impossible pour moi. Donc c'est pour ça que je ne donne pas de cours de pilotage. Là, en l'occurrence, avec Olivier, si tu veux, je secondais un BE. Donc, c'est plus du conseil, de la démo qu'autre chose. Mais malgré tout, tu sais, c'est le genre de choses que Olivier évite et que moi, j'évite aussi. C'était sympa d'aller le revoir. Donc, lui, si tu veux, il l'a fait. Moi, je l'ai fait, mais ce n'est pas quelque chose à refaire. Tout simplement parce que ça va toujours bien quand tout va bien. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il y a des mauvaises nouvelles en France. C'est-à-dire que les États-Unis nous rattrapent. Alors, Olivier va... avoir une demi-érection, si je dis que les États-Unis se rapprochent, mais pas pour les bonnes choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont peut-être un jour mettre un procès à MX Réflexion parce que tu auras dit que la 300 bêta X-Trainer est géniale et qu'elle monte aux arbres. Le mec va essayer de monter aux arbres, va se casser les deux jambes et il va te mettre un procès. On est clairement là-dedans. J'ai un de mes meilleurs amis qui est chirurgien qui pourrait opérer pendant 10-15 ans et qui vient d'arrêter parce qu'il a dit bah, « Moi, toute ma carrière, c'est passé comme il faut. Je ne veux pas faire l'opération de trop. » Et si tu veux, quand tu vois le savoir-faire qu'il a, c'est du gâchis. C'est quelqu'un qui devrait toujours opérer, enseigner. Et si tu veux, ça va être de plus en plus comme ça. Alors, pour Olivier, qui a une école de pilotage géniale, qui est tout est carré, et ce n'est pas le seul, hein, il y en a beaucoup. Hein, Loïc Rombaud, là où on va au Dirty Days ce week-end,
à chronovers, il a un truc carré, tout est nickel. Donc, si tu veux, pour eux, ça va aller, mais malgré tout, rapidement, ce genre d'école de pilotage auront un avocat attitré pour répondre aux gens, pour placer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Et c'est marrant parce qu'aux États-Unis, ils sont comme ça, mais d'un autre côté, il n'y a pas de brevet d'État. Mais bon, pensons à toutes les familles qui ne font pas de moto, qui mettent leur gamin dans une école de pilotage qui est nulle à chier. Si tu veux, c'est des risques pour l'enfant. Grâce à ce système qu'a mis en place la fédération, les enfants sont quand même protégés. Avec Raphaël, on parlait des entraînements de foot. Tu sais, il habite à Vitrolles, lui, à côté de Martigues, pas loin de Marseille. Il me dit, tu verrais les entraînements. Il me dit, mais c'est un truc de malade. Il me dit, tu as 200 parents qui sont contre les grilles en train d'hurler. Ils ont interdiction d'entrer sur le terrain, mais ça hurle de partout. Parce que si tu veux, ils pensent tous qu'ils ont le futur Kylian Mbappé sur le terrain, tu vois. Donc ça fout la trouille, hein. Si tu n'as pas un encadrement carré, puis sans parler évidemment de tous les sports genre gymnastique où là ça déborde mais d'une autre façon, hein. Non, je suis pour les brevets d'État et franchement c'est bien d'avoir des gens comme Olivier et comme beaucoup d'autres en France, hein, comme si tu veux, qui sont reconnus, qui ont des écoles, et moi j'essaie d'être loin de ça parce que c'est vraiment du travail. On parlait tout à l'heure de la blessure d'Olivier. D'ailleurs, Olivier s'est blessé en enduro. Et on va parler un petit peu d'enduro. Tu en penses quoi, toi, de cette discipline que moi, je trouve un peu bizarre, qui s'appelle l'enduro extrême, qui consiste à faire du trial avec une moto d'enduro. qui n'est pas faite du tout pour ça. Et toi, tu penses quoi de ça, sachant que ben Nico, tu as deuxième course en enduro extrême, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Ouais. Deuxième. Ouais, bah deuxième. Alors c'est... On voit ce que c'est. Qu'est-ce que penses-tu de la discipline, toi? C'est dans l'air du temps. C'est dans l'heure du temps. Vous avez tous vu j'en fais un petit peu partie d'ailleurs, hein, du truc. Hein. Vous avez tous vu les vidéos de Méo en train de se tirer la bourre sur un terrain de cross avec la Ducati Desert X. Les vidéos de Tarès qui fait du trial avec une T7. Une ténérée, hein. Et d'un seul coup, Tony Bou a pris l'Africa Twin, l'autre il a fait un backflip. Si tu veux, aujourd'hui, on est dans le truc du il faut que ça soit impressionnant. Quand j'étais dans le triathlon, j'ai travaillé pendant 5 ans pour Compress Sport, tu sais, des chaussettes qui évitent les crampes. Je me suis rendu compte rapidement que les gens n'avaient pas envie de courir à 17 km/h sur un sprint. Ils voulaient dire à leurs potes, j'ai fait un Ironman. Mais genre, mec, t'as marché ton Ironman, putain, t'as fait 42 km en marchant. On le voit au tout. Mais si tu veux, le truc de faire un Ironman, se faire tatouer ça sur le mollet, c'était leur truc. Eh ben, on est un peu dans le même truc. Aujourd'hui, pourquoi le Touquet, tout le monde veut le faire? Parce que ça ne les intéresse pas de faire l'une plage pendant 2 heures. Ça ne les intéresse pas d'aller faire 2 fois 30 minutes sur une course de ligue parce que personne, tout le monde s'en fout. Par contre, si tu dis j'ai fait le Touquet, j'ai fait une course extrême, là, ça impressionne tout le monde. Donc, si tu veux, il y a ce petit côté, il faut toujours plus. Donc, je te dis, j'en suis aussi coupable hein, parce que tu vois, quand on fait des vidéos, on essaye la 900 Tiger. Il y a la table à côté, la moto va bien. Je suis le premier à dire à Raphaël, si je saute la table, tu filmes ou pas? Et je suis le premier à le faire parce que je trouve ça aussi très drôle. Heureusement, c'est pas avec ces vidéos-là qu'on vit ou qu'on fait le plus de vues. Mais malgré tout, il y a un petit côté un peu excitant. Et ben, faut savoir que c'est comme ça. L'extrême, si tu veux, ce côté, je mets une grosse difficulté qui va bloquer tout le monde sauf moi, intéresse les gens. Il faut aussi savoir que l'enduro est en perte de vitesse parce que c'est impossible aux organisateurs de trouver des champs, des chemins autorisés. Donc, si tu veux l'extrême, tu peux aller dans un endroit un peu confiné, pas terrain de cross non plus, hein, mais tu vas dans un domaine et tu es capable de faire une très belle épreuve. Et aujourd'hui, pour tout vous avouer, si vous voulez rentrer dans les détails, si on nous a donné la 3,5F, la 3,5 Husqvarna d'enduro en nous disant est-ce que vous voulez faire un épisode, l'explication, c'était parce qu'on n'arrive pas à les vendre. Je leur ai dit, vous rigolez ou quoi? Ben, il me dit non, les gens, ils achètent VTT électrique parce que dans les chemins, personne n'est fait chier, les gens ne les engueulent plus. Ils achètent une moto de cross parce qu'il y a des terrains griffés partout. Ou alors, ils achètent une 300 TPI et ils vont au fin fond du bois avec leurs potes, ils essayent de faire des côtes toute la journée, c'est rigolo, ils se marrent, mais tout ce qu'ils peuvent, ils sont pas loin de la maison, et personne ne vient les faire chier. Donc, si tu veux, clairement, l'enduro, aujourd'hui, se promener en balade dans les chemins, c'est bête à dire, mais c'est hyper compliqué, quoi. Donc nous, on leur a dit, bah, clairement, donnez-nous la 3,5, on va voir si elle est capable de faire du motocross. Comme ça, le mec qui a une moto d'enduro, il n'est pas obligé d'aller dans les bois, il peut peut-être aller sur un terrain de cross.
Et en l'occurrence, on est allé à Adorno et on s'est bien fait plaisir avec. Donc, c'est une très bonne moto pour faire les deux, d'ailleurs. Ça, c'est une question qu'on a régulièrement. Clairement, c'est les personnes qui nous écrivent en privé et qui demandent « Est-ce que tu pourrais me conseiller une moto qui va bien en cross et en enduro ?» Et c'est vrai qu'il y a des compromis, un peu comme celle-là, mais il n'y a pas de moto qui va aller très bien en cross et très bien en enduro. C'est quand même compliqué, ces deux disciplines qui sont assez différentes. Surtout pour les puristes, tu vois, le mec va dire « Ah, ouais, la fourche de la Husqvarna, elle n'est pas assez bonne, elle est trop souple, c'est dangereux. » Mais moi, dans le même sens, je te dis tout de suite, sur une 2,5 CRF, si tu n'enlèves pas 3 dans l'arrière, c'est inconduisible. Parce que la moto, tu es 3-4, 3-4 tout le temps. Et donc, si tu veux, tu vois, il y a toujours des petites modifs, mais malgré tout, tu peux tout faire avec n'importe quelle moto. Mais voilà, l'extrême, moi, je trouve que c'est logique parce que tu ne peux plus faire d'enduro. C'est logique parce que les gens veulent des trucs où ils ont une médaille à la fin. Quelle que soit leur position, leur temps, leur aptitude, ils veulent avoir une médaille à la fin. Et puis, ils veulent avoir peur aussi. Tu vois, il faut reprendre un peu le truc. Hein. Quand moi, j'étais petit, alors c'était quoi votre film d'horreur quand vous étiez gamin, vous? Quand vous aviez 15 ans? On avait Scream, nous. Scream. Moi, c'était les griffes de Freddy. Tu sais, les griffes de la nuit, Freddy Krueger. Et si tu veux, quand tu regardais un film d'horreur, c'était le truc pour... Eh ben, c'est la même chose. Hein. Je peux te dire un truc, c'est que il y a un de vous deux hein, qui a fait le touquet. Ben, quand tu es au départ, hein, tu ne fais pas le malin. Et moi, limite, quand tu y es dessus, t'es pas bien. En fait. C'est ça qui est excitant parce que tu as des choses à raconter à tes potes le soir. Et quand je vais être au mois de février à une course extrême, parce qu'on va sûrement en faire une, alors je sais pas laquelle encore, faut que je choisisse. L'enduro, c'est ce que je dis à Blaise, moi, il faut faire l'enduro. On est deux, vous êtes deux, vous faites l'enduro. Ah non, Raph, oublie. Alors justement, c'est là où on est vachement différents. C'est-à-dire que là où moi, moi aussi, oublie. Mais ouais, moi j'aime en chier et Raphaël, il aime. Lui, son kiff. Faites-la ensemble, Nico, Pierrick, allez-y. Voilà, exactement. Mais toi, tu iras à Dorno avec Raph. Voilà, moi, Dorno, ça va aller très, très bien. Moi, je préfère. Non, Raphaël, lui, c'est emmène-moi en Floride. Fais-moi découvrir les terrains autour de Barcelone qui sont géniaux. Vous savez, à Barcelone, là où il y a toutes les vidéos quasiment de la Starwag, c'est un ancien champ. C'est un ancien terrain de golf qui a été transformé en motocross. Dans le golf, ouais. Donc Raphaël, il est curieux, mais de ce genre de truc. Il a envie de découvrir des trucs qui font rêver. À chaque fois en Italie, je l'emmène sur un nouveau circuit. À chaque fois, il revient avec un sourire de malade. Il veut que le restaurant qu'il aille le soir avec soit aussi canon. Il veut que le casque il soit bien dedans. Il veut que la table il puisse faire des belles photos dessus. Il veut que la lumière soit belle. Si tu veux, on ne peut pas critiquer Raph. Il y en a plein qui vont dire « Ah putain, mais… » Des fois, Raph, tu ferais bien de rouler un peu. Mais non, si la moto ne lui dit pas, il n'a pas à rouler avec. Tu vois ce que je veux dire? Chacun son rôle dans le truc. D'ailleurs, je trouve que ce que tu décris actuellement, c'est les pilotes qu'on retrouve de plus en plus en motocross. C'est-à-dire des pilotes qui ont un peu moins envie de faire des courses. En gros, un peu moins envie de se faire chier. Un peu plus envie de se faire plaisir. Avec une moto, ils préparent la moto comme ils ont envie. Ils se font plaisir sur la moto. Ils s'amusent entre potes le week-end dans la course, dans l'entraînement, pardon. Et ils font beaucoup moins de courses. Et c'est vrai que dans notre ligue, en tout cas, qui est très grande, la Ligue Occitanie, j'ai l'impression, beaucoup plus de pilotes en entraînement qu'en course. Et ça devient de plus en plus le cas. Est-ce que toi, tu arrives à le remarquer vers chez toi? Un petit peu comme chez nous, c'est-à-dire que beaucoup de pilotes sont là pour se faire plaisir et du plaisir pur, c'est-à-dire qu'ils payent, ils vont payer l'entraînement, ils vont payer une course que pour se faire plaisir. Écoute, c'est très très simple, alors ça va faire vieux con, hein, mais moi j'ai commencé la moto en 88, donc si tu veux, dans les années 90, refaire un circuit coûtait très cher, donc ils le refaisaient une fois dans l'année et donc ils faisaient une course. Donc si tu voulais rouler en moto, il fallait faire des courses, tout simplement. Ensuite, moi, dans les années 90, je me rappelle, le mec qui roulait en ligue, il s'appelait Petit Perrin. Il avait un 4 temps et il roulait, il avait 30, peut-être 35 ans. Mais si tu veux, moi, dans mes yeux, mais il en avait 70. Je te jure, c'était un truc de malade. Il avait une Husqvarna, sûrement une 6-10. Il avait 35 ans, c'était fou. La dernière année de ligue que je fais, je dois avoir 15 ans, il y a Olivier Robert qui redescend de l'élite. Et qui vient faire la ligue, un peu comme Boiramé en Bretagne. Si tu veux, Olivier Robert, il a une moustache, il a 32 ans. Sans déconner, quand je l'ai vu, je le voyais, j'avais l'impression qu'il en avait 50. Je te jure, j'avais l'impression que c'était le délégué de la FFM. C'était dingue. Et si tu veux, aujourd'hui, remettons le truc à l'heure actuelle, aujourd'hui, les terrains sont griffés, arrosés 3 fois par semaine.
Donc ça te donne qu'envie, c'est d'aller rouler en permanence. Dire, tu peux plus t'arrêter une fois que tu as connu ça. Tu n'as pas envie d'aller faire une course où il pourrait y avoir de la poussière, des cailloux et des gros trous. Quand tu as connu au terrain griffé, arrosé et que tu t'es fait plaisir, ça n'a rien à voir. Ensuite, au niveau de l'âge, alors je vais pas me citer moi, pas du tout, bien que je ne comprends pas que ça, la vieillesse m'a encore pas trop rattrapé, mais j'étais à Trofarelle l'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait 50 plus que moi, qui s'appelle Alex Puzar. Non Ouais, mais, qui non mais roulait. j'arrivais pas, ben c'est bien simple, j'arrivais pas à le suivre. Ouais, il roulait encore fort. Ah mais très fort et avec un style, un putain de style. Mais lui, Donc là, il si a tu veux, évolué moi... depuis. En plus, il a toujours eu un beau style, lui. Oui, et puis un deuxième, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, Mike Vaughan. Quand tu vois Ouais, Mike c'est Vaughan vrai. rouler aujourd'hui, non mais c'est un truc de dingue. Donc si tu veux, moi dans les années 90, à l'époque, Jacky Vimont était revenu à La Capelle-Marival, donc on était en 2000. Donc il faudrait peut-être chercher sur Internet Je quel m'en âge il rappelle, ouais. avait Il avait fait quand il des était ouais. revenu en 2000. Je crois qu'il a eu du mal à marquer un point. Et je crois qu'il n'était pas vieux, hein. Je crois qu'il avait 34 ans. Aujourd'hui, quand tu Aura vois peut-être un peu Kyle plus, O'Leary quand rouler à même. Peut-être un 34 peu ans. plus. Ouais. Ouais, c'est Ah. sûr. Il y avait quand même un fossé, ouais. Mais j'aurais dit plutôt 40 ans. Mais ouais, je mets. Oui, c'est dans ces eaux-là, quoi. Tu vois, alors je sais que l'élite ne se porte pas super bien. Il faut savoir que les deux premières épreuves de l'élite, il y a mon conscrit qui était, qui a marqué 3 fois des points. Hein. C'est Nicolas Cotenay. Donc si tu veux, la vieillesse aujourd'hui n'a plus du tout la même, c'est plus la même vieillesse qu'il y a 20 ans et qu'il y a 30 ans. Hein. Et enfin, le dernier truc que je vais rajouter, alors c'est un peu sexiste, hein, mais la place de la femme dans les années 90, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. La famille dans les années 90, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes deux beaux exemples, et moi j'en suis le troisième. C'est-à-dire que quand tu as fait 2 week-ends de moto, il y a un moment, tu fais un week-end avec ta femme, avec tes enfants. Les compagnes ne suivent pas les hommes, mais elles ont tendance à faire autant de sport, certaines même beaucoup plus. Et aujourd'hui, ça joue dans la balance. Parce que si tu veux une vie de famille un peu épanouie, je suis désolé, mais tu passes pas tous tes week-ends à faire des courses avec ta copine qui te suit, qui tient les lunettes. Alors, j'ai pas dit que c'était pas bien, mais quelque part, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est moins le cas. Vous êtes d'accord? Ah oui, clairement, on le voit moins, on le voit beaucoup moins en tout cas, c'est Bon, en sûr. tout cas, moi, j'ai du plaisir à la Trofarello, et même si Lucie fait que 8 tours et que je paye 35 euros pour l'entrée, si tu veux, elle a fait 8 tours sur le terrain des enfants avec la 3,5 Husqvarna qu'on avait emmenée. Elle s'est régalée. Et le soir, elle a pris sa douche, comme nous, tu sais, la douche qui coule marron de poussière qui est hyper agréable. Tu te dis, j'ai passé une journée de dingue. Tu manges une pizza le soir. Enfin, je veux dire, tu passes des journées qui sont quand même géniales. Et tout ça, si tu fais de la compétition, et là, je vais citer Blaise, il faut te battre contre le mal de bras. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quasiment s'entraîner tous les jours. Et donc, tu n'as plus de vie. Et aujourd'hui, la vie, c'est pas ça, quoi. Aujourd'hui, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas ça. Bon, j'affiche pas le commentaire d'Olivier Nitard. Qu'est-ce qu'il a Désolé, dit? j'ai posé les yeux dessus. Allez, Après, oh Pierrick, putain! on peut rien faire Incroyable. pour toi, Pierrick. Tu nous parles de Lucie, là, c'est fini. Je Après suis une heure de désolé, live, c'est toi, complètement. tu l'as chauffé ou Alors, du coup. par contre, moi, à la limite, pourquoi pas? Parce qu'à la limite, je peux garder sa fille aussi, si tu veux. Là, il aime pas Ouais, ça. ça, il aime pas. Ça, il aime pas. Ah, bah attends, mais On quand a tu déjà tâté le regardes, terrain, il aime pas. franchement, quand tu regardes Johnny et Laetitia, franchement, la fille d'Olivier et moi, ça passe crème. Liane, d'ailleurs, on peut l'annoncer, hein, qui va faire son alternance chez nous pendant 2 ans, chez MX Réflexion, tu Sans vois, à partir déconner. de cette Putain, vous êtes période. des malins, vous, hein? Ouais. Eh oui, on met le grappin dessus avant que ces gros pervers d'Amix Test Non, mais là, sans déconner, avec MX prennent Test, sur on l'aile. était bien. On aurait pu faire des photos magnifiques d'elle en noir et blanc. Putain. On a un shooting photo prévu pour le premier jour. Olivier va nous Oh organiser là ça. là là là. T'inquiète En plus, on a les nouvelles fringues. Au Dirty Days, ce week-end, on lance les fringues 2024. On avait besoin de filles. Voilà, bah c'est pas la peine. voilà. Voilà. Juste, je Alors, reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, Nico. 2 minutes, juste tout à l'heure, on a dit que il y a beaucoup de personnes maintenant qui font de la moto par pur plaisir. Et souvent, quand on dit ça, il y a ce commentaire qui vient, c'est-à-dire que maintenant les pilotes sont des danseuses. Alors je ne sais pas si Julien, tu disais ça pour ça. Bon, en tout cas, on l'entend beaucoup, c'est-à-dire qu'on entend que maintenant les pilotes de cross, en tout cas, c'est des précieux et que c'est moins des besogneux qu'avant. Je vais juste donner mon avis avant, parce que j'aime pas trop qu'on dise ça, dans le sens où je trouve que enfin, chacun fait ce qu'il veut. Et avant, comme tu disais tout à l'heure, Pierrick, on était obligé de faire des courses. C'est-à-dire que c'est là où on trouvait le terrain arrosé. Sinon, on allait à l'entraînement, il y avait des cailloux gros comme ça, c'était défoncé. Et il y a des personnes qui disent, ouais, mais ça, c'était l'entraînement à la dure, c'est bien. Mais
pourquoi en fait, si on ouvre un petit peu son esprit, pourquoi on serait obligé de s'infliger ça quand on a envie de faire la moto? Moi personnellement, je pense qu'on peut faire la moto pour se faire plaisir, on peut faire des courses de temps en temps, on n'est pas obligé d'être devant, il faut du premier au 40e, et il faut accepter d'être 30e des fois. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu penses justement de ces remarques? Est-ce que tu penses qu'elles sont justifiées? C'est-à-dire que maintenant les pilotes sont la plupart des danseuses, ou est-ce que tu penses que c'est normal quoi? Bah écoute, c'est simple. Avant, les gens se battaient, bon, ils se battent toujours, hein, mais pour aller au trèfle lozérien, tu te rappelles, il y avait 8 pages dans Moto Vert du trèfle lozérien. Aujourd'hui, les mecs, ils s'engagent à l'extrême. Il y a un gap entre les deux épreuves, je ne vous le dis même pas. C'est même plus un gap. C'est même pas la même discipline. Avant, au Touquet, il y a des mecs qui entraient la moto au parc fermé, elle avait le sable de l'année d'avant, ils avaient des pneus terre. Aujourd'hui, je suis désolé, mais on est 1300. Le 1200e, il a fait au moins 10 week-ends à une plage et il a un pneu sable. On a juste vu un qui, au pré-parc, n'avait pas mis ses rouleaux dans les roll-off quand même. Oui, bon, ça arrive. Mais en l'occurrence, si tu veux, non, ça c'est vachement. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est de plus en plus dur. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entraînement. Va à Beauvoisin. Olivier, tu sais que... Raphaël ne va jamais à Beauvoisin. Pourtant, c'est qu'à une heure de chez lui, mais parce qu'en fait, ça lui fait peur. Vous avez déjà roulé à Beauvoisin, vous, hein? Ouais, ouais. Le circuit, il engage. Et quand tu y vas, non, mais tu as toute l'équipe Soubera, Saranda qui roule, il y a tous les jeunes. C'est la différence de niveau, en fait. C'est énorme. Tu vas comme ça attaque. Et tu vas à la Farles Olivier, c'est la même chose. L'équipe du Père Villemain, ils sont 12 à attaquer. Je peux te dire que les gamins qui vont avec le Père Villemain, ça n'arrête pas. Moi, j'ai des pilotes qui m'ont dit « Ah, je ne sais pas si je vais retourner chez Thibaut Munier l'année prochaine, TMX, tu sais, c'est une école de pilotage, parce que ça roule beaucoup, c'est très, très dur, et quel que soit le temps. Moi, Lily, qui fait partie de notre team, tu sais, elle est allée faire un week-end justement chez Thibaut, elle est revenue sur les rotules. Donc oui, il y a beau… Alors, le truc, c'est qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux les gens qui sont beaux, propres, et qui font des whips et qui s'entraînent. On va dire, ils ne vont pas mettre l'entraînement dans la boue. À la dure, ouais, bien sûr. Ils ne vont pas le mettre. Je n'ai pas dit qu'ils ne le faisaient pas, mais en tout cas, ils ne vont pas le mettre en avant. Mais quelque part, tu vois les gens qui sont beaux. Mais il ne faut pas rêver. Hein. À chaque fois que tu vois un whip de Hunter Lawrence, il faut savoir qu'il a fait quand même deux manches de 20 tours juste avant. Hein. Donc, les deux manches de 20 tours, elles sont un peu chiantes. Hein. Il ne va pas les mettre sur Instagram en non-stop. Tu vois. Et en plus, ça ne regarde personne. Le nombre de fois qu'il va essayer de recouper ce virage pour rentrer à droite dans les hoops, c'est qu'il va pas y arriver, que son frangin va y arriver, il va pas le mettre sur Instagram. Par contre, quand il arrive sur la piste avec des chaussures toutes neuves, il va mettre la photo. Et les gens s'imaginent que c'est facile. Bah non, c'est pas ça. Je pense que les gens, en fait, ils regardent ce qu'ils veulent regarder pour se donner cette info-là, tu vois. D'ailleurs, tu le vois partout, de toute façon. Si c'était le cas en moto, ce serait le cas dans partout. Mais les rugbymen sont plus fit, ils courent plus vite. Les footballeurs, c'est un truc de malade, les statistiques qu'ils ont. En motocross, tu vois, c'est des athlètes, mais un truc de dingue. Les terrains sont de plus en plus troués et ils vont de plus en plus vite, avec un pilotage en plus de plus en plus fluide. Enfin, je veux dire, et puis je te parle même pas du freestyle. Enfin, je veux dire, entre un seat grab de l'époque de Xavier Fabre et ce que fait Pagès aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a un peu de gainage quand même dans la semaine. Hein. Oui, tout s'est professionnalisé de toute façon. Même quand on roule dans le sable. Avant, un pilote terre pouvait performer dans le sable. Maintenant, s'il ne s'entraîne pas 3 mois dans le sable, c'est compliqué quand même. Oui, puis pour revenir à la vieillesse, quand tu vois Jackie, on voit tous les abdos. Pulsar qui roule comme un avion de chasse. Mike Brown, tous ces mecs-là, il ne faut pas rêver que ce n'est pas parce qu'ils sont en train de manger du beurre de cacahuète devant la télé non plus. Il n'y a pas de miracle, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Enfin, je pense. Hein. Ça serait possible, toi, Pierrick, aujourd'hui, de faire une saison comme avait fait Yann Guédard en 92, je crois, parce que j'en parlais avec lui ce week-end, de faire Touquet, champion de France élite et champion de France de Supercross. Alors, Potisek était pas loin l'année dernière, mais il n'a pas participé au Supercross. Oui, oui, si tu veux. C'est possible. Il manque pas grand-chose, parce que Potisek avait fait quasiment, pour moi, a fait quasiment la saison parfaite. Je vais revenir aussi sur Souberas, qui a quand même fait un podium en élite, en Supercross et en enduro dans la même année, quand même. Hein. Donc, si tu veux, les mecs qui touchent un petit peu à tout, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est sûr qu'il y a quand même toujours un petit, comment il s'appelle, Todd Kellett, un petit Tom Scharrer, qui sont là un peu pour foutre la merde parce qu'ils font tellement leurs choses uniques et bien
si tu veux, ce petit côté un peu, c'est pas péjoratif, hein, mais ce petit côté un peu autiste, Asperger, genre je fais mon truc au millimètre, je ne dévie de rien, je ne change même pas de moto, parce que c'est un choix, hein, Tom Scharrer et Marvin Musquin, s'ils ne changent pas de moto, c'est aussi parce qu'ils savent qu'au millimètre près, si tu veux, ils sont les plus rapides et qu'ils savent placer leur moto, parce que j'imagine que Marvin a dû avoir plein de propositions. Mais le fait de rester tout le temps sur la même moto à faire la même chose, si tu veux, ça te donne de la sécurité et puis de la performance, quoi. On a parlé un petit peu physique aussi tout à l'heure, et dans un de nos lives, on avait reçu Ulrich Génisson qui nous parlait du régime cétogène. Je crois que c'est un régime que tu fais depuis plusieurs années, toi, Pierrick. Ouais, depuis 2017. En fait, j'avais vu ça sur le Big USA. J'avais vu ça sur le Big USA qui expliquait clairement que, ben, en fait, il a été très simple, hein. Il a dit, les mecs, vous mangez des pâtes. Le sucre, c'est 2h30 dans le sang. Vous faites le tout cas, c'est 3h. Comment vous faites? Et là, j'ai regardé et je me suis évidemment revu sur mes 4 podiums à chaque fois prendre un énorme coup de barre au bout de 2h30. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ça peut pas être si simple, l'explication. Et c'est là que j'ai lu ces bouquins. C'est là que je me suis évidemment renseigné sur d'autres endroits que lui, parce que tu peux pas donner la parole à une seule personne. Et si tu veux, j'ai cherché. Et à un moment, je me suis dit, bah, tu sais quoi, hein, je vais tester pendant 4 mois. C'est quoi 4 mois dans une vie? J'en ai bien bavé pendant 2 mois, je peux vous le dire. Tu peux juste expliquer ce que c'est concrètement pour ceux qui ne le savent pas, le régime cétogène. Le régime cétogène, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser comme carburant le sucre, les glucides, le glucogène, et ben en fait, tu vas utiliser simplement la graisse, alors que tu manges ou que tu as sur toi, tout simplement. Donc le corps, il faut quand même un mois et demi pour qu'il apprenne qu'il n'y a plus de sucre, donc il faut qu'il se démerde. Donc du coup, il va taper dans la graisse ou alors il va utiliser la graisse que tu manges. La graisse que tu manges, c'est les avocats, c'est les noix. C'est pas que de... C'est pas de la... C'est pas de l'huile d'olive. C'est pas du confit de canard comme ça, quoi. Ça peut, si tu veux. Mais si tu veux, voilà, il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, j'ai essayé pendant 4 mois. Juste le truc, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que, tu vas dire si je me trompe, mais vu qu'on supprime les sucres et qu'on ne mange que de la graisse, c'est pas pour autant qu'on grossit avec ce régime. Ah ben non, mais au contraire, moi, si tu veux. Contraire. Donc, j'ai commencé. Donc, pendant un mois et demi, 2 mois, j'ai galéré tout ce que je pouvais, hein. Mais ça m'a surmotivé parce que quand je me suis dit, tu sais, t'arrêtes les épinards, t'en souffres pas. T'arrêtes les fraises, t'en souffres pas. Mais là, t'arrêtes même les patates, t'arrêtes ce que tu veux, t'en souffres pas. Mais là, en l'occurrence, mais c'était à se taper la tête contre les murs. Je me suis dit, mais et le cerveau, il est malin. Hein. Il te donne tous les trucs, si tu veux, pour que t'en aies besoin. Il veut son sucre. Parce qu'en fait, le sucre, c'est hyper rapide. Et si tu veux, c'est son alimentation numéro un. Parce qu'il a pas envie de se faire chier à aller fabriquer son propre sucre. Le propre sucre, c'est les acides cétoniques que le foie va fabriquer. Ça met 20 minutes, si tu veux. Et donc, c'est assez rapide malgré tout. Et donc, si tu veux, j'ai continué et au bout de 4 mois, bah, si tu veux, j'ai commencé à avoir le triceps, je ne le voyais plus, il s'est redessiné. Les côtes, tu sais, qu'il y a ici tout en haut, là, j'ai commencé à les revoir. Si je ne me trompe pas, Nico, il est super sec. Hein. Donc, lui, il les voit toujours. Mais quand tu commences à avoir 40, 42 ans, tu ne les vois plus, les côtes. Et si tu veux, tout a commencé à s'affiner. Tu vois, au-dessus du pubis, tu sais, le muscle en triangle, là, il a commencé. Ouais, c'est bien ça. Tu as déjà vu Ryan Hughes? Il est à poil sur toutes les stories. Et j'allais parler de Liane quand tu as parlé de ça. Mais... Et donc, si tu veux, tu commences à voir le mec à fuir. Et tu commences à redécouvrir ton corps. J'ai commencé à courir plus vite. J'ai commencé à refaire des sorties de vélo. Tu sais, j'étais obligé de prendre des barres, des boissons et tout pour arriver à tenir 2 heures. Et là, j'ai commencé à faire du vélo pendant 3 heures, 3h30 avec de l'eau claire. Ben là, ça a changé ma vie. Et puis moi, j'avais juste un petit souci physique, c'est que je chopais des migraines ophtalmiques. Donc, tu sais, quand tu es souvent sur l'ordi, quand tu fais beaucoup de route et que tu fais beaucoup de travail, que tu finis tard, j'avais des migraines ophtalmiques. C'est la vision qui se trouble. Et après, tu as des maux de tête, mais à en vomir. Et ben, depuis 2017, j'ai quasiment plus eu de migraines ophtalmiques. Depuis 2017, je suis redevenu à un poids qui est 2 kilos de moins que quand je roule en élite. Et puis, depuis 2017, bah, tout est tant mieux, quoi. Bah ouais, donc je veux pas dire aux gens qu'il faut qu'ils le fassent, mais je me dis que dans la vie, s'il y a des choses qu'il faut tester des fois, tu vois, pour savoir si après, ça va. Après, il y en a qui ont testé, tu vois, Tom Vial, je crois, avait testé, ça l'a pas fait. Il y en a certains voilà, qui n'ont pas réussi. Après, peut-être, comme tu dis, il faut être fort mentalement quand même. C'est que toi, ça a duré 4 mois où tu t'es tapé la tête contre les murs, quoi. Il y a d'autres qui ont. Ah oui, non. Et puis attends, un mec comme Tom Vial, est-ce qu'il a arrêté 4 mois de rouler? Jamais.
dire que c'est quelque chose que tu peux pas faire si tu es pilote de haut niveau, c'est très compliqué. Donc, si tu gros veux, changement, c'est. quoi. Ben oui, c'est un peu compliqué. En tout cas, si l'un d'entre vous manque d'énergie, manque d'attention, souffre de maux de tête, d'inflammation, parce que j'ai moins de courbatures aussi, enfin, je veux dire, si quelqu'un a des problèmes comme ça, ça vaut le coup d'essayer, tu vois. Tu te donnes 6 mois de ta vie et au bout du 6e mois, honnêtement, tu reviens au sucre. Tu l'as toujours fait. C'est bien plus facile de revenir au sucre que de rester cétogène, si tu veux. Et ça m'empêche pas de temps en temps de manger une tartelette aux Ah fraises. ouais, des fois tu t'octroies quand même un petit plaisir Mais c'est sucré. pas s'octroyer, si tu veux, c'est un nombre en dessous de 100 grammes, tu restes en cétose. Pour manger 100 grammes de sucre, si tu veux, bah, une tartelette, ça va faire 30 grammes, 40 grammes. Si tu as mangé que ça, le problème d'avant, moi, je vais t'expliquer ce que je faisais, hein, c'est que je mangeais de la salade avec du pain. Ensuite, je mangeais un bon plat de pâtes. Ensuite, pourquoi pas un coca avec, si tu veux. Puis après, la tartelette à la fraise. Et après, je prenais un café à la Suisse, tu sais. Café en Suisse, c'est lait, sucre. Mais si D'accord. tu veux, à la fin de la journée, quand tu arrives au total, tu es à 350, 400 grammes de sucre. Si t'es pas en train de faire des footings en permanence, ou si t'es pas stressé en permanence ou avec un métabolisme de dingue, bah, je suis désolé. Hein. T'as qu'à regarder tous les anciens, tous les mecs quand ils arrêtent de faire de la moto. Enfin, je veux dire, c'est un secret de polichinelle de voir les mecs qui gonflent tout simplement parce qu'ils n'ont plus la dépense énergétique ou le stress, parce que c'est aussi important que le cerveau consomme autant d'énergie quasiment que les muscles, hein, que le reste. Donc voilà. Enfin bref, on ne va pas faire de la médecine, mais toujours est-il que ça a changé ma vie. Et si quelqu'un a des soucis, eh ben, c'est bien qu'il l'essaye. Je n'ai pas dit que c'était bien, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer, hein. On a un commentaire justement par rapport à ça. Anthony qui dit, alors je connais pas, toi tu dois connaître plus que moi, Pierrick, mais attention à la fibrose cardiaque et à la dysfonction mitochondriale à long terme. Je ne sais pas si tu t'es renseigné sur ça, mais bon, voilà. Anthony apparemment connaît et doit être dans la médecine, certainement. Ouais, exactement. Alors, je suis entièrement d'accord avec lui, hein, je suis entièrement d'accord avec lui, mais je vais lui dire, est-ce qu'on ne peut pas faire aussi attention au surpoids, aux problèmes articulaires, au diabète, aux arrêts cardiaques? Non, mais vous vous promenez dans le parc. Vous vous promenez dans le parc, vous voyez bien qu'il y a un énorme souci. Vous avez des enfants, bah, allez à la piscine, rappelez-vous les gens que vous voyez à la piscine quand vous étiez gamin. Vous vous rappelez de votre photo de classe. Regardez votre photo de classe et regardez la photo de classe de vos enfants. Ensuite, moi, j'étais au Highside Festival. Donc, ce n'était pas un truc moto. T'es d'accord avec moi? Donc là, je trouve que dans le monde de la moto, on est passé de 60 à 80 kilos. 60 kilos, tu sais, c'était les mecs un peu fit, genre Jackie. Et le mec qui était un peu costaud, genre Ludovic Lucquin, il était à 80 kilos. Aujourd'hui, on est passé sur le mec fit, il est à 75-80 et les plus gros sont à 100. Au Highside Festival, c'est un truc de malade. Là, c'est 100 à 130, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc, s'il n'y a pas le côté au moins à l'extrême, enduro, je pousse la moto dans les côtes, si on fait simplement de la moto balade, je peux vous jurer que la population a changé. Alors, est-ce que je vais avoir des problèmes plus tard? Peut-être. Est-ce que les gens sont en train d'avoir un énorme problème partout en France? Ça, c'est certain. Ça, je peux vous le dire. On a pas mal de questions dans le Désolé, live, on j'ai a cassé essayé de. l'ambiance là. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, tu nous as. du coup, J'allais désolé, mais c'est aller boire un vrai. coca, du On coup. a parlé médecine, donc du coup, j'ai pas. Non, non, mais Ouais, c'est vrai. imaginé. Non, mais alors, je vais vous le dire autrement. Toute la première partie de ma carrière, j'avais une très très belle maison, mais elle était un peu grande. Mais j'ai deux garçons, ils foutent le bordel de partout. Donc, comme elle était un peu grande, tu sais, c'était une vieille ferme que j'avais rénovée, je l'ai transformée en gîte. Et donc, toutes les semaines, on nettoie le gîte. Et quand vous voyez ce que je ramasse en alcool, non, mais là, vous ne vous rendez même pas compte. C'est-à-dire que nous, dans le milieu de la moto, tu sais, on va chambrer quelqu'un qui a bu deux bières. Non, mais là, des sacs entiers, tu sais, des sacs de commission, de course pour 5 jours. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème. Donc, oui, il y a peut-être des soucis à avoir un régime peut-être paléo ou à avoir un régime peut-être, tu vois, végétarien. Oui, il y a peut-être des petits soucis, mais je vais dire un truc, c'est que les 80% de la population, ils ont un autre souci, mais un gros souci. Voilà. Allez, changement de sujet, parce qu'on a eu plusieurs fois la question. Est-ce que Lulu sera au Dirty Day ce week-end? Je la retrouve Ah, pas la c'est question dans Olivier la qui pose liste. la question? Pas du tout. C'est Chicken Rider 29. Ah ouais. Alors, les Dirty Days ce week-end, on va augmenter un petit peu le truc. Donc, le vendredi soir, il y a une petite soirée où on est un peu moins buzzy, tu vois.
Donc, dans cette soirée du vendredi, on va pouvoir vraiment discuter avec tout le monde. Ça va être sympa. Et le samedi, on a beaucoup d'animations tout au long de la journée. Et au niveau du staff, il y aura Geoffrey qui a fait les épisodes de mécanique au début. Il y aura Axel, notre mécanicien. Il y aura Jaja Bigoud qui chante dès le samedi soir arrivé. Il y aura Tata Lulu, donc mon épouse. Il y a même Milo qui va faire, normalement, il va s'occuper d'un stand YCF. Il y aura un challenge YCF. Il y aura également Pauline, il y aura également Thierry, l'ami de Raphaël qui est parti avec lui. Donc c'est lui qui emmène Raphaël à l'autre bout du monde, parce que Raphaël a la trouille de partir en trail trop trop loin. Donc si tu veux, dimanche soir l'épisode c'est Raphaël part sur le TET, tu sais c'est le chemin des trails, il y a 80 000 km de chemin en Europe, et donc ils partent en trail pendant 2 jours pour rôder un peu le matériel, bivouaquer. Et si tu veux, ça va être assez drôle parce qu'il est revenu, il a mis une semaine à s'en remettre, hein, alors qu'il était à 100 km de la maison. Donc le trail, c'est pareil, hein, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de respect pour les mecs comme Tom Barrère qui partent pendant 5 jours à l'autre bout du monde. Et d'ailleurs, tiens, à mon époque, celui qui m'avait le plus impressionné, c'était Serge Nuc. Pour rigoler quand même, je crois que c'était avec un pilote d'enduro très célèbre. C'était les Frangins Joriot. Ils étaient quand même partis à Istanbul avec des 125 des TMX. Tu t'imagines, toi, faire Biarritz, Istanbul avec des 125 des TMX ? Ça m'étonne. Ouais, j'imagine que Serge Nuc. Ouais, j'imagine que Serge Nuc, par contre, ça va faire ça. Tiens, si ça ne vous embête pas, je reviens 2 secondes sur Boiserie. Tu sais, il y en a beaucoup qui critiquent et tout. C'est un gros bœuf, je déteste ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Le premier, d'ailleurs, Olivier Nittard, hein, qui me dit ça. Lucien, il ne fait pas la moitié de ce que Olivier et Serge ont fait dans leur vie. La seule différence, c'est que Serge et Olivier, moi, je le voyais et il ne le filmait pas. Mais je peux vous dire qu'il n'en fait pas la moitié. Si Serge et Olivier pouvaient prendre un rond-point en travers, à l'envers, ils le faisaient. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je crois qu'Olivier, il a dû prendre même des ronds-points au milieu. On n'est pas d'accord ? Vous le connaissez, oui. Vous, hein ? Oui, on l'a vu. Ouais, Boiserie, c'est un rigolo à côté d'Olivier Nittard, je peux vous le dire. La seule différence, c'est qu'il ne filme pas. C'est sûr, ouais. C'est sûr qu'on a... Donc non, c'est vrai, au Dirty Days, il y aura tout le monde. Donc, on sera vraiment, vraiment une grande équipe. Ça va être très sympa. Le soir, il y a beaucoup de jeux, il y aura des quiz. Cette année, grosse modification, on va avoir des buzzers. Alors ça, c'était mon fantasme Julien Lepers. On aura des buzzers, tu sais, on aura des quiz auditifs, tu sais, sonores. Le fantasme Julien Lepers, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. T'as vu ça, hein ? C'est beau, c'est beau. Magnifique, hein ? Ça, c'est les effets secondaires du régime cétogène, je pense. Exactement. Donc, si tu veux, on aura un quiz auditif, reconnaître le bruit de la moto de quel épisode, si tu veux. Donc, il y a eu 200 épisodes, il va falloir reconnaître le bruit de la moto. On aura également un concours de mécanique, comme on faisait d'habitude. Il y aura également un challenge pour les tout petits pour gagner une pit bike pour commencer la moto. Enfin bref, ça va être une grande soirée. Le dimanche, rebelote sur le circuit. Et l'avantage, c'est qu'on a 3 circuits. Jaja, buzzer made in Jaja, il a assuré. Mais je ne suis pas sûr qu'il les ait fait. Je crois qu'il les a. Il est électricien, il a donné ça à son équipe à faire. Et donc, du coup, il y a 3 circuits. C'est la différence de cette année. C'est qu'on a un circuit de cross, un circuit d'enduro dans les bois. Et un circuit, on va dire une spéciale en herbe qu'on a aménagé un peu pour les trails. Donc logiquement, on aura des trails, des enduros, des crosses, parce que notre chaîne, elle le représente, je pense, bien. C'est-à-dire qu'on est, on va dire, une seule catégorie de passionnés qui aiment le deux temps à crampons. Excusez-moi, le deux temps. Le deux roues à crampons. Donc on ne fait pas de différence, nous, entre le trail, l'enduro et le cross. Les Dirty Days, donc pour tous les mecs qui mettent du gaz en cross, évidemment, c'est moins adapté à vous. Les Dirty Days, c'est plutôt des gens qui n'ont pas de licence et qui n'ont jamais roulé sur un terrain de cross. Si tu veux, c'est plutôt ça. Ils sont beaucoup en France, on ne dirait pas, mais il y en a beaucoup et c'est leur première fois qu'ils viennent sur un terrain de cross. Donc, ce n'est pas un gros niveau. Raphaël est toujours dans le top 5 hein, des meilleurs pilotes aux Dirty Days, mais c'est un bon moment de convivialité. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà roulé sur un circuit de vitesse, les deux ? Vitesse, non. Supermoto, oui, mais vitesse, non. Mais ça devrait être prévu normalement avec Serge Nuc, Sylvain Bidard. Exactement. On devrait faire ça, ouais. Ouais, et puis franchement, si vous voulez, nous, on vient d'acheter une mini-GP. Vous savez, pour justement s'amuser sans trop de risques sur un circuit de karting. Si un jour vous voulez venir, honnêtement, on a une belle mini-GP. On peut passer une bonne après-midi ensemble. Ce sera avec grand plaisir.
Ouais, pourquoi pas. Je sais que Nico est pas très chaud, il est pas trop bitube, lui, il est plus enduro extrême. Ouais, moi, ça me fait peur. La vitesse, ça me fait vraiment peur. Non, mais là, sur un circuit de karting avec une 150, on va y arriver quand même. Ouais, circuit de kart, ouais, ça devrait faire. On est descendu à Rognac, tu sais, Fred Forêt, il a une école de pilotage où il prépare les gamins à faire le mini GP, qui est au dernier Grand Prix de la saison, pour, tu vois, qui va entrer ensuite dans la Rookies Cup Red Bull, des trucs comme ça. Et on est allé faire un épisode initiation. Donc, j'ai amené mes deux fils de 10 et 13 ans. Et ils ont fait un épisode initiation, justement, avec des super motards et avec des mini GP. Donc, ça, c'est un épisode qui devrait passer normalement fin juin. Donc, j'espère qu'il vous plaira aussi et qu'il donnera envie à Nico en se disant, putain, oui, ça va pas très vite, ça a l'air sympa. Et franchement, les gamins là-bas, c'était incroyable. La tête, le coude par terre et tout, c'était ceux qui maîtrisent, tu sais, c'est incroyable, vraiment. Et nous, Nico, en parlant d'enfants, samedi, on va faire tester à sa fille et à mon fils aussi d'ailleurs, les motos électriques. Donc, on va sortir une vidéo, nous, moto électrique sur les petites taurottes. Et on va faire une vidéo avec nos enfants. Et on va leur faire. Ils n'ont jamais fait de moto, nos enfants. Ils sont totalement novices dans la moto. Ils ont 5 et 4 ans. Il y a une télécommande pour arrêter le moteur quand ça reste à fond. Et on va courir. Ah, comme ouais, je crois que tu peux contrôler quelques trucs avec le téléphone, je crois. Ouais. J'ai pas regardé encore la notice, j'ai reçu la moto. Alors je vous souhaite bon courage. Mais enfin, c'est top. En tout cas, je voulais aussi souligner quand même vite fait toutes ces chaînes YouTube qui sont pas. En tout cas, vous, je pense pas que ça soit vraiment le cas. Mais nous, on nous a dans le milieu. Hein, tu sais, il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est pas des journalistes. Mais on ne s'est jamais revendiqué journaliste. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que les gens qui nous regardent aient envie de faire de la moto, tout terrain. Parce qu'il n'y a pas à chier quand on est beaucoup, on a plus de force. Et si on ne veut pas que les terrains s'arrêtent, si on veut que les concessionnaires vivent, si on veut que les écoles de pilotage comme Olivier soient remplies, je pense qu'on a un rôle de donner envie. Et en l'occurrence, votre épisode électrique va être canon parce qu'il y en a plein qui vont se dire « Putain, ouais, c'est pas dangereux, c'est sympa ». Si jamais mes enfants font ça, après sur le scooter, ils prendront moins de risques. Moi, j'ai toujours pensé que si un jour j'avais une fille, j'aimerais qu'elle fasse du motocross parce que qu'elle puisse maîtriser et qu'elle puisse avoir sa propre scooter. Parce que j'ai pas envie qu'elle monte derrière un gamin qui veut l'impressionner, tu vois. Mmh. Ouais, puis bon, là, en l'occurrence, c'est électrique, on va pas faire chier les voisins parce que malheureusement, moi, là où j'habite, en tout cas, j'ai 4 ou 5 voisins et tu peux pas faire de la moto toute la journée, c'est impossible. Donc, je pense que ça devrait bien se passer avec cette petite moto. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Hein. En tout cas, c'est vraiment, vraiment sympa. J'ai une question. Penses-tu de Soubera Spirik? Soubera, c'est une idole parce que si tu veux, moi je le regardais quand il était tout petit. J'allais sur le junior, le cadet, le regarder rouler. Et aujourd'hui, c'est un vieux maintenant de l'élite. Soubera, c'est pour moi, c'est. Alors, c'est peut-être prétentieux ou pas du tout hein, de dire que je me retrouve en lui, bah, parce qu'en fait, là où il pourrait être super bon dans un seul truc et se cantonner à faire ce truc, bah, le gamin, il fait quand même du supercross, moitié de l'électrique, du 2 temps, du 4 temps, une chaîne YouTube, de l'enduro. Tu l'invites à un truc direct, il vient, il fait du vélo de route, du VTT, il essaye des disciplines. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être la personne la plus intéressante aujourd'hui, en tout cas à mon sens. J'aimais beaucoup aussi, il faut le savoir, quand j'étais gamin, si tu veux, le côté Peter Hansel, Pidou, tu sais, qui dans le même mois arrive à faire un Grand Prix 500, un super cross, un super motard et un enduro. Hein. Et j'aimais bien ce côté un peu touche à tout. Peter Hansel est pour moi une. J'ai deux idoles, hein, c'est JMB et Peter Hansel. Et comme vous pouvez le voir, bah, les deux, ils ont essayé un petit peu tout ce qu'ils pouvaient essayer. Alors, j'aimerais bien essayer le trial comme JMB, mais là, je crois que c'est peine perdue, hélas. Lequel des deux est le meilleur en trial? On n'a jamais essayé. Ah, mais il faut le faire. Ouais. Vous êtes un binôme, faites-le. Ça, c'était dans les tuyaux à un moment donné, il faut qu'on le fasse. Ouais. Faut le faire. J'en ai parlé en plus tout le week-end, c'est avec ce bon vieux Richard Angot de MX2K. Et ouais, c'est à faire. C'est un esprit particulier, le trial, je pense. C'est encore une autre discipline. Ah ouais? Ouais, mais vous l'avez vu mon épisode enduro, le premier qu'on a fait avec la 300 TPI ou pas? Non, ça me dit rien. Non, moi non plus. Ah, oh, les mecs, vous suivez même pas. J'ai Subramoto. Voilà, donc en fait, au Touquet, j'étais avec Estelle Villemin et JB de chez Subramoto. Et si tu veux, ils m'ont dit, mais il faut que tu essayes. Donc du coup, il m'a préparé une 300 TPI. Et il m'a dit, tu dois faire 3 épisodes, mais d'enduro un peu engagé. Va pas te promener dans les chemins, va pas faire des spéciales en herbe où tu ressors en travers. Je veux que t'en chies. Donc, si tu veux, j'ai fait le premier épisode. Il est passé il y a 10 jours.
Donc, je me suis fait emmener par des copains autour de Moirans en montagne, là où il y a le chemin de France. Hein. Donc, c'est très glissant parce qu'il y a beaucoup de racines. Il gueule, Raph, tu vois. Sérieux, l'épisode est sorti la semaine dernière. Il était fait pour vous, putain. Limite, je vous ai tagué dessus. Mais tag, et la prochaine fois. Et donc, du coup, dans cet épisode, j'étais nul à chier dans les dévers, j'étais nul à chier dans les côtes, dans les cailloux, dans les racines. Et j'ai passé des troncs d'arbres de la Muerte, par contre. Hein. Donc, vous regarderez la hauteur des troncs d'arbres et vous me direz si c'était pas mal ou pas. Ça, c'est Nico, l'expert, hein, tronc d'arbre. Là, j'attends votre avis. Hein. Là, je pense que, ouais. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Non, mais vous regarderez. Donc, on va faire un deuxième épisode. Il faut que j'arrive à convaincre Raphaël, mais j'aimerais bien faire un test, c'est de faire un épisode qui passerait que sur les réseaux sociaux. Tu sais, pas sur YouTube. D'accord. Bah, un épisode complet de 15-20 minutes qui passerait sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram, tu vois. Parce qu'on s'est aperçu… Pourquoi tu veux faire ça? Comment? Bah, en fait, il y a un pont qui est… On pensait que nous, les gens qui regardent des TikTok ou Instagram et Mixtest, on pensait que c'était les mecs qui regardaient les épisodes. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs. Non, du tout. Bah, c'est pas la même. On le voit parce que des fois, on poste exactement la même vidéo. On voit que ça marche pas pareil parce qu'ils sont pas intéressés par la même chose. C'est pas le même public. Mais on pensait qu'il y avait un tronc commun. Mais si tu veux, clairement, Raphaël, par hasard, si tu veux, il a trouvé cool de faire le teaser. Alors, c'était dimanche. Dimanche, on a sorti un épisode où on a roulé en électrique au milieu des thermiques. C'était quasiment une première mondiale parce que jusqu'à présent, à part aux US, un mec qui fait des courses à Paris, on n'a jamais eu de moto électrique contre des thermiques. Et donc, si tu veux, il fait tout le teaser de l'épisode et je raconte un peu comment ça se passe, tu sais, la mise en grille. Et au moment où la grille tombe, boum, la vidéo s'arrête. Bah, tout simplement parce que la vidéo, bah, vous allez la voir sur YouTube. Non, mais les mecs, ils ont tous râlé en disant « Mais pourquoi vous ne mettez pas la suite ?» Et on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas qu'on avait une chaîne YouTube. Et le premier, c'est quand même Olivier Nitard qui a dit mais il s'est passé quoi après? Il y a quelqu'un qui a dit va regarder la vidéo sur YouTube. Et Olivier a dit ah ouais, j'ai pas le réflexe. Donc vraiment, il y a des gens, en fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en fait nos vidéos, mais tu sais, juste dans la forme teaser. C'est-à-dire qu'ils ont vu, une fois qu'ils ont vu les 15 secondes où je mets la moto en travers, où je dis qu'elle est bien, et que Raphaël dit oui, mais moi j'aime pas, en fait, ils suffisent à ça, ils s'arrêtent à ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire un épisode spécial réseaux sociaux qui on verra si ça marche mieux, moins bien, on s'en fout. Par contre, on verra. Épisode... Raphaël, de toute façon, il est pas d'accord. Donc tout ce que tu nous dis, c'est du pipeau. Je pense que tu vois, tu vas faire couler ta boîte sinon. Non, mais si vous saviez le nombre de désaccords qu'on a, mais c'est un truc de malade. On passe notre temps à s'engueuler. Et en plus, au moment où on est à peu près d'accord, c'est les internautes qui nous engueulent. Tu sais, alors l'histoire de la KTM Mania, il y a un moment, les gens ils se sont dit, mais vous êtes putain d'acheter par l'Autriche, quoi. Mais vous êtes les premiers à le voir. C'est-à-dire, quand tu as sorti Husqvarna, Gaz, KTM, qui sortent quand même 4 de temps et 5 4 temps, plus tu multiplies par 2 parce qu'ils sortent l'enduro, tu multiplies par 3 parce qu'ils sortent le même modèle en super motard. Non, mais il y a un moment, tu es obligé d'en faire une ou deux quand même, non? Mais Blaise a appris l'Autrichienne d'ailleurs, vu qu'il est payé. Ouais, c'est par il est monnayé par. Je suis pas très bon en anglais, mais par contre, en autrichien, je maîtrise de A à Z. Ben, je parle allemand, mais si tu veux, on n'a pas reçu d'argent encore de KTM. Et donc, si tu veux, le truc, c'est que même les motos un peu spéciales, tu sais, les Blitza, comme on les appelle, où le mec va mettre un moteur de variateur, putain, mais j'y peux rien s'il a choisi une 125 KTM. Je veux dire, c'est pas de ma faute. À un moment donné, dans tous les commentaires, on voit souvent que la personne. Souvent, ceux qui commentent, c'est quand même ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui sont d'accord et ils commentent un peu moins parce que c'est implicite, ils acquiescent. Mais le fait de. Nous, quand on essaye des motos de l'année, des motos neuves, et que la personne a acheté une autre moto, souvent on s'en rend compte. On dit ouais, mais tu ne parles pas de ça, ça, ça. Oui, mais bon, nous, on a aimé ça, ça et ça sur cette moto, tu vois. Donc, on en parle, on a fait le test de A à Z. Et souvent, on a ce truc de... Les gens se disent, ou peuvent se demander, est-ce qu'ils ont été rémunérés pour dire ça? Est-ce qu'il y a eu une contrepartie? Mais non, en général, quand on essaye les motos, comme tu le disais tout à l'heure, quand on essaye les motos, on y va très souvent par nos propres moyens. Donc, on va essayer, à part Nico en Afrique du Sud, là, tu n'es pas allé par tes propres moyens, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Mais sinon, la plupart du temps, c'est comme ça. Et après, il n'y a pas de... Sur tous les tests, que ce soit moto neuve, moto même d'occasion ou autre moto,
C'est un test qui est simple. Les tests sont gratuits, c'est gratuit. Pas d'argent pour ça, mais c'est les moyens de production qui sont payants. Ouais. Hein. C'est-à-dire que pour filmer, il faut un cadreur, il faut du matériel. Enfin, voilà. On l'a expliqué tout à l'heure, mais. Ouais, t'en parlais tout à l'heure. Il semble bon de le répéter. Ouais. Ouais, c'est pour tout le monde pareil. De toute façon, c'est les moyens de production qui coûtent de l'argent, mais pas le test en lui-même. Mais c'est un test qui est. Où on dit ce qu'on pense, quoi, sur toutes les pièces ou toutes les machines. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est très, très important aussi de dire du mal. C'est-à-dire que. Clairement, c'est important de dire du mal. Nous, on a même été un peu loin, si tu veux, quand on a essayé la gaz-gaz. La Barcia, on a dit, bon, c'est bien, mais kit déco, quoi. C'était un kit déco avec... ils ont oublié le calepier, ils ont oublié le guidon, ils ont oublié... ils auraient pu mettre au moins les réglages de fourche de Barcia, un amortisseur un peu plus violent, ils auraient pu mettre... Tu vois, ils auraient pu aller plus loin. Et du coup, on a même fait un épisode entier où on a repris la Barcia Replica. Et nous, on l'a fabriqué nous-mêmes en mettant ce qu'ils auraient dû mettre depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quitte à mettre 3000 euros de plus sur une moto, putain, mais mettez pas des trucs qui servent à rien. En l'occurrence, l'échappement de la 4,5 gaz-gaz, il allait très très bien. Par contre, il y a plein d'autres pièces qui n'allaient pas et celles-là, ils les ont bien laissées, si tu veux. Et donc, du coup, on avait fait un épisode comme ça. Mais tant qu'on dit du mal, de toute façon, si vous dites du mal, c'est que vous êtes dans le vrai. Mais bon, n'oubliez pas une chose. Hein. Là, je suis désolé, mais vous ferez sûrement un épisode, et il faut faire un épisode avec Raphaël Sauze, mais il vous dira la même chose que moi. N'oubliez jamais, quand même, que nous, on n'a pas d'espace publicitaire avant. Ni MX Réflexion, ni MX Test, ni Flow sous le casque, ni Cross Only, ni Boiserie. Pensez toujours quand même que dans les autres magazines, ils ont des pubs tous les mois qui sont payantes. Donc clairement, avec Raphaël, on en est à se demander... comment font des magazines comme Enduromag pour rester crédibles? Parce que dans la mesure où, si tu veux, où KTM a acheté 4 pages de pub, c'est-à-dire ils sont payés par KTM, faut pas rêver. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont reçu un chèque de KTM pour mettre de la pub dans le magazine, ils sont payés pour aller en Afrique du Sud pour essayer les motos. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense pas. Si moi, personnellement, je pense pas. Très, très franchement, je pense qu'il y a une. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, je sais pas comment ça se passe. Mais t'en parleras BHR. Ben, ouais, moi pour en discuter avec si lui, clairement, quand t'as pas les moyens de mettre la pub, quand t'as pas les moyens de mettre la pub et que t'as pas les moyens, si tu veux, d'inviter les gens en permanence, bah, tu verras que t'es moins mis en avant. Et ça a été le cas de Sherco, ça a été le cas de tout le monde, et parce que les gros groupes japonais et le groupe autrichien étaient vraiment très forts. Alors j'ai une bonne nouvelle hein, quand même, malgré tout, c'est que comme ils payent tous pareil, je pense que c'est là que la crédibilité revient. Mais en l'occurrence, ce que je voulais dire à tout le monde qui nous regarde, comme il n'y a pas de page de pub sur MX Réflexion, bah, on est sûr que quand vous dites quelque chose d'une moto, bah, c'est que c'est à peu près bon, ouais, parce que vous avez reçu aucun chèque. Ça, c'est sûr, on ne reçoit pas de chèque, mais je ne suis pas sûr que dans la presse, et je ne pense pas que ce soit comme ça, la partie journaliste et un lien... Alors, peut-être que je suis dans le monde des bisounours, j'en sais rien, mais pour moi... On côtoie un peu les journalistes de Moto Verte, de MX Mag, etc. Et je ne pense pas qu'ils aient ça en tête quand ils essaient les motos, surtout qu'on a fait pas mal de tests avec eux. Et très souvent, franchement, quand on a fait les tests des 450e, de la Starkvarg, des KTM, Husqvarna, on était avec eux. Et à la fin, on enlève le casque, on en discute et on se dit tous, ouais, on a pensé à peu de choses. Bah, moi, je ne suis pas d'accord sur. Et le plus bel exemple que tu donnes, où c'est notre point de désaccord, bah, c'est la Starkvarg. C'était ridicule. Enfin, je veux dire, il y a 27 personnes qui ont été là-bas pour essayer, pour dire qu'elle était géniale. Tous les retours qu'on a eus, c'est qu'il y avait interdiction de faire 40 minutes avec. Ouais, c'était cadré. Mais c'était cadré, si tu veux. Ouais, mais si tu veux, dans la mesure où tu cadres. Pour y avoir été. Ouais, mais si tu veux, tu peux pas parler. Tout le monde a demandé ça. Combien de temps elle dure ? En fait, voilà, le seul point de la Starkvarg, si tu veux, tout ce qui a été dit sur la Starkvarg, par exemple, quand on a eu Sébastien Tortelli dans le live, tout ce qu'il a dit. J'étais très sceptique à la française, tu vois, à me dire non. Là, non, mais t'as raison. Il est en train de nous raconter des trucs parce qu'il travaille pour eux, c'est normal, il est embauché pour eux, il en fait la promo, ok. Par contre, tout ce qu'il a dit au mot près, quand je suis monté sur la moto, au bout de 2-3 tours, c'est exactement ce qu'il nous a dit dans le live, c'est exactement ce que j'ai pensé au bout de 2-3 tours. C'est pas qu'il m'a formaté, pourtant j'étais très très sceptique. Le seul truc qu'on n'a pas pu essayer, mais c'est parce que c'était pas au point, clairement, c'est l'autonomie. Donc, oui, mais c'est d'accord avec moi que c'était le point. Tout le monde savait que la moto marchait, puisqu'on a tous vu la Alta qui a aujourd'hui quasiment combien 10-12 ans. Donc, si tu veux, mais la Alta, le fait que la moto aille bien, tout le monde a dit que c'était OK. Mais tu es d'accord avec moi que si tu regardes toutes les vidéos de la Starkvarg, c'est incroyable.
le marketing de la Star Wars, c'est incroyable. Ah bah il est génial, le marketing. Voilà. Ils ont réussi à vendre 9000 exemplaires en une vidéo. Tu peux pas voilà. Parler. Mais si tu veux, quelque part, aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que ça chie un peu quand même. Ben là, alors, je suis d'accord. Ah oui, mais pourquoi ça chie là, c'est un truc de fou. Tout simplement, pour, alors c'est toujours pareil, je n'ai pas d'infos et de tuyaux, mais c'est mon avis perso. Pour moi, il y a eu du retard, tout simplement parce que l'autonomie n'était pas au point. Clairement. L'autonomie annoncée n'était pas l'autonomie réelle. Donc, du coup, tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord avec moi que le test est biaisé. Parce que les motos qui ont été pré-vendues, elles ont été faites sur des gens qui sont allés là-bas et qui ont dit du bien absolu et qui, j'ai pas dit qu'elle était pas bien. Mais c'était pas un reportage, c'était un documentaire. Enfin, je veux dire, c'était une page de pub. C'était incroyable parce que je dis ça tout simplement parce que je vois que vous êtes tous, hein, quand la Yam sort et qu'elle est un peu trop brutale, vous l'avez dit. Quand la Honda, elle est un peu trop molle et que la KTM la dépose dans la côte en 2,5F, t'es d'accord avec moi que ça avait été dit. Mais il y a toujours eu des défauts, des qualités. Mais en l'occurrence, sur la Star Wars, bon, j'ai trouvé que c'était la première fois dans l'histoire où ça avait été une page de pub mondiale. Et aujourd'hui, ils continuent, hein, parce qu'ils ont fait quand même croire que des motos ont été livrées. Et de toi à moi, c'est faux. Mais tu penses vraiment c'est que faux. Autant de journalistes, tu vois, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de journalistes. Est-ce que tu penses vraiment qu'autant de journalistes ont dit la même chose d'une moto alors que c'est pas ce qu'ils pensaient? Ben non. Est-ce qu'il y a un journaliste qui a parlé d'autonomie? Ben en fait, oui, la plupart. Et d'ailleurs, dans toutes les vidéos, on a dit ben, la partie qu'on n'a pas pu tester aujourd'hui, et ils nous l'ont expliqué clairement, ils nous ont dit la partie qu'on ne peut pas tester aujourd'hui, c'est la partie autonomie. Ils ont dit ça pourquoi? Parce que très clairement, il y avait deux choses qui n'étaient pas au point. Le software, donc la partie, tu sais, il y a un téléphone portable dans la mousse de guidon, ça, c'est pas au point. Donc, on l'a vu, c'était des numéros, un enchaînement de numéros, donc ça ne fonctionnait pas, c'était l'ingénieur qui venait nous la régler. Et deuxième chose qui n'était pas au point, c'était l'autonomie. Donc, ils nous l'ont dit clairement, c'est ce qu'on a dit en fait dans la vidéo. C'est pour ça que tout le monde a exposé les mêmes choses, c'est-à-dire le ressenti à l'instant T. Et le ressenti ouais, à je, l'instant T, c'était je, une bonne je, moto, je comprends. Tu vois. Mais c'est un peu comme essayer une 2,5, si tu veux, d'essayer une 3,5 SXF que personne ne connaît. Tu l'essayes dans un endroit magnifique, taper ta vie de tout le monde. Elle n'existe pas, il n'y a que des 2,5 que des 4,5. Et là, d'un seul coup, tout le monde dit, en tout cas, c'est génial. Et tu n'as mis qu'un litre d'essence de sang dedans. C'est un petit peu ça, si tu veux. Mais ceci dit, j'espère avoir tort. J'ai mes potes qui en ont acheté une. Nous, on a été les premiers à la commander chez Bud. On l'attend toujours, mais on l'a commandée. Tout simplement. Par contre, c'est clair que sur le délai, là, ils ont exagéré. Mais bien sûr. C'est compliqué. Je ne sais pas comment. Enfin, il faut que vraiment les gens l'attendent, cette moto. Parce non, mais moi, j'espère surtout pour eux, parce que j'aimerais qu'il y ait une marque en plus sur l'échiquier. Mais j'espère pour eux que Yamaha et Honda, arrivés au mois d'octobre à Milan, ne vont pas en sortir une, si tu veux, et qu'ils ne vont pas leur faire à l'intérieur. Parce qu'en fait, ils auront tout fait le boulot. Et tu es d'accord avec moi que Honda et Yamaha sont capables de faire ça, hein. Moi, j'y crois pas. J'espère pas pour eux, parce que franchement, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. La moto est belle, elle a super design. Je pense qu'elle doit bien aller. On verra ça. Par contre, il y a deux, trois trucs. Nous, on a vu sur quand même. C'était sur MX2K, je crois. C'était 2,5 secondes plus vite. Ouais, donc, mais ça, si c'est pareil. On n'a pas dit, on n'a pas été trop sur ce terrain. Non, pas vous. Hein. J'étais pas, mais Blaise, parce que. Mais c'est, ouais, vous l'avez lu ou pas? Ouais, non, mais si tu, je sais pas c'est, si. Voilà. Donc c'est là-dessus. Les 2,5 secondes, c'était pas avec la Star Wars, c'était avec l'Alta de mémoire sur MX2K. Oui, et la Star Wars est meilleure que l'Alta. Ouais, mais alors, je sais pas, eux, on n'était pas le même jour que par rapport à. Je sais bien, mais ce que je veux dire par là. Je sais pas s'il y a eu des chronos chez eux, nous, on en a pas eu en tout cas. Tu sais, on peut en faire la transition justement. On a fait, tu vois, on s'est amusé à faire le truc de 20 ans, tu vois, d'écart, avec la 2,5-4 ans de 2002 de chez Yamaha et la 2022. Il y avait 3 secondes 8. Raphaël, comme moi, à un dixième près, on a eu le même écart. Et Raphaël roule 15 secondes moins vite que moi. Hein. Sur la 450 CRF, entre la 2002 et la 2022, tu sais combien il y avait d'écart? 9 dixièmes. Ouais. Donc, si tu veux, quand les journalistes nous sortent 2 secondes et demie entre la Star Wars et une 4 temps, ça me rend fou. C'est comme ce qu'on a dit les deux tout à l'heure, hein, sur le 2 temps et le 4 temps, que les mecs t'annoncent qu'ils ont 3 secondes de plus. Mais toi, tu as dû l'entendre, tu sais, en ligue, sur les parents. Ah putain, je l'ai passé en grande roue, le gamin, il a gagné 4 secondes. Tu l'as déjà entendu, ça, non?
Oui, on a entendu oui, c'est, comme ça, oui, c'est monnaie courante. Hein. Ah, bref. On verra si l'histoire, en tout cas. Ouais, voilà. Après, juste, parce qu'en fait, ouais, pour ceux qui ne savent pas, lors de l'essai de la Star Wars, pour clôturer là-dessus, il y avait aussi, vous avez mis à disposition des motos thermiques, il y avait une 450 CRF, ouais. Je crois, Blaise. Mais c'est bon, dans le test, justement, tu avais bien précisé, il me semble, qu'on ne pouvait pas comparer parce que ce jour-là, tu as pu faire deux tours avec la 450 CRF. Ouais, voilà, c'est ça. On a fait trois tours. Pour être exact, ouais. Parce qu'on était dans la partie golf, au milieu du golf. On avait en tout cas, nous, le 31 juillet, mon pote est censé l'avoir. S'il l'a le 31 août, ça sera le 31 août, ça sera le 31 septembre. Mais nous, le jour où on l'a, on ira sur une course. Puis on verra ce que ça donne. Parce qu'on a été vraiment très surpris dans la moto électrique qu'on a essayé, justement. C'était sa non-performance au départ. Donc, autant sur les vidéos en Alta, si tu veux, j'ai trouvé qu'elle partait devant, de ce que j'ai vu à la télé. Après, c'est du départ, si tu veux, sur du béton, donc c'est un peu spécial. Ouais, c'est justement ça. Autant, moi, j'ai trouvé que ce coup de rein, c'est le coup de pied au cul qu'il y a sur une 4,5. Quand tu sors d'une ornière en deux et que tu mégasses fort, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ça sur l'électrique. J'ai trouvé qu'il y avait une super allonge, qu'il y avait une super maniabilité, qu'il y avait un super couple, qu'il y avait une facilité qui était géniale. Je trouve qu'elle fait plus légère alors qu'elle était plus lourde. Je trouvais vraiment toutes ces qualités, alors que c'est une moto qui, quand même, ça reste une Husqvarna 2018 avec un moteur électrique français dedans. Si tu veux, on n'est pas sur les moyens de la Starvag et j'ai trouvé beaucoup de choses géniales. Mais par contre, je me languis de voir justement ce que ça donne une 4,5 avec une Starvag parce qu'une 4,5F aujourd'hui, donc ça, on a fait les épisodes il y a 2 ans. Vous savez, on était allé à Alès sur la grille de départ de la course de vitesse. Là. On avait mis une H2, une HP2, on avait mis une 600, une R6 côte à côte avec moi avec une 4,5 CRF. Mais sur 50 mètres, c'est juste impossible de battre une 4,5 CRF ou YZF, évidemment. Là, tu vois, Anthony demande, c'était la troisième chose d'ailleurs, qu'on n'avait pas pu tester, si ça sort devant au départ. En fait, il était en train de tester, quand on y est allé, un système où, comme avec une thermique, on met gaz en grand. Et quand on met gaz en grand, la moto a quelque chose qui fait qu'elle ne cabre pas et qu'elle ne part pas de suite. Un peu comme quand on accélère avec l'embrayage. Il est en train de tester ça. Je ne sais pas si ça a évolué, si ça a été mis au point ou comment sont les motos actuelles qui vont sortir pour le départ. Mais en tout cas, ça c'est pareil, c'est une chose qui n'a pas été testée. Par contre, quand on accélère avec une Starkvarg, nous on l'avait en version approximativement de 50 chevaux. Clairement, ça arrache les bras. Donc pour moi, oui, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, ça peut. Ouais, il a raison, Robin. Robin, il dit, regardez qui est Tesla et les autres constructeurs Tesla aujourd'hui sont tous au-dessus. Moi, je pense qu'il a raison et je ne me fais absolument pas de soucis sur l'électrique. Je me dis juste que il y a eu un rapport bizarre entre. Voilà, on parlait du journalisme, ce qu'il est des fois extrêmement, on va dire, objectif, et on parlait à la fois de l'électrique. On a un petit peu tout mélangé. En tout cas, tiens, je vous invite. Alors là, par contre, il y a quelqu'un qui ne va pas, c'est moi qui ne vais pas. Mais on a racheté ma moto de 2003. Tu sais, quand je roulais en Grand Prix avec la 450 CRF 2003, c'était une 2002, excuse-moi, c'était la première année qu'elle était sortie. Le mec l'a gardée dans son garage et il m'a rappelé. Et donc, je l'ai récupérée. Elle avait le kit déco Paget Colors de l'époque, les autocollants Elf. Excellent. Donc, on l'a récupérée, on l'a mis en pièce. Et donc, je vais aller à l'élite. À Reville, la place, le 18 juin, pour essayer de rouler là-bas. D'accord, pour voir un peu la différence esthétique, performance. Et puis, bon, je vais me le faire laver le cul. Hein. On connaît l'histoire. Hein. Le seul qui ne va pas sur cette moto, c'est moi. Ça aurait été sympa, justement, de voir Soubera se rouler avec. Mais en l'occurrence, je vais rouler à Reville, la place, avec une moto d'il y a 20 ans. Parce qu'en fait. Tu as entraîné combien de temps avant avec cette moto? Ah, je vais rouler une fois, comme d'habitude. Hein. Je ne vais pas m'entraîner. Hein. Je n'ai pas le temps de m'entraîner. Mais c'est marrant parce que pour Moto Crampon, j'avais fait un reportage en 2003. En fait, j'étais venu à l'élite avec une moto de 93. Et en fait, mais ça faisait vintage de malade parce qu'ils avaient tous les 450 CRF. Et moi, je m'étais pointé avec une 2,5 de 93. Si tu veux, c'était. Mais le gap, il était fou. Et ben aujourd'hui, je me mouille peut-être, mais quand vous allez voir ma moto qui sera prête pour l'élite, je suis sûr que vous allez baver devant. Parce qu'en fait, la moto de 2003, tu sais, c'est celle que Carmichael avait à l'Outdoor. Et ben putain, elle était belle, hein. Ouais. Elle n'a pas beaucoup changé, hein. Tu sais, la fourche est en 49 aujourd'hui au lieu de 47 avant, mais tout le reste c'est tout pareil, hein. Cylindré, système de moteur, de refroidissement, le look un peu agressif, le cadre alu, les roues, enfin je veux dire, il n'y a pas énormément de différence et on va essayer de lui faire un look un peu cool, ça devrait être sympa, hein. Bon, ça fait loin de chez vous, Roville, la place, hein.
Ouais, c'est pas à côté. Ouais, c'est à côté de Caen. Donc, si j'invite tout le monde, ceux qui sont normands, à venir m'encourager parce que je vais prendre des cailloux. J'ai plus l'âge de faire ça. Mais écoutez, je vais essayer de la faire rouler deux fois 30 minutes. Ce sera sympa. Puis ça permettra d'aller voir les gens qui nous suivent. On va rarement du côté de Cherbourg. Ben, si Aurel San nous regarde, il viendra probablement te voir, vu qu'il est de Caen. Ouais, exactement. Il roule avec des Surons, lui, c'est ça? Ouais, dans son clip, il avait une Suron. Hein. Ouais, c'est peut-être, ouais. 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 On l'a essayé, la Suron. Et c'est bien, ça a l'air fun à regarder comme ça. Il y en a beaucoup qui utilisent ça pour. Ouais, alors ça dépend pour qui. Déplacer, mais... Écoute, vous deux, je pense que vous n'aimez pas. D'accord. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de moto, ah, c'est le kiff absolu. Si tu veux, nous, tu sais, on a envie d'une position, on a envie d'un. Je sais pas, d'une certaine tenue dans les sauts, dans les. Je sais pas comment t'expliquer. On a une façon de s'asseoir, on a. Si tu veux, et tous ces codes, ils ont été cassés. Donc, quelqu'un qui a jamais fait de moto, il monte dessus, il trouve ça génial. Quelqu'un qui a fait de la moto depuis qu'il est gamin, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas fait pour ça, quoi. Ouais, alors, j'ai pas dit. Hein. Il y a un championnat électrique en ce moment, il y a Chapelière qui le fait. Ouais, ils ont fait la première épreuve en Espagne. Là. Il m'a dit que Robbie Madison, il a vu avec une Suron qui coûtait 24 000 euros. Ouais, il a tout mis dessus. La dimension. Bah, en fait, non, j'ai presque envie de dire qu'il a tout enlevé. Ouais, il a tout changé, quoi. C'est vraiment, ouais, il a un peu tout changé, quoi. Ça, c'est un peu... Ouais. Bon, très bien. Ben, on y en a qui disaient qu'on avait pété le record de David Vulmain. On est à 1h50 de live. Effectivement, c'est possible. Non, ben, c'est vraiment un grand plaisir. Moi, j'ai des questions pour vous. Je peux? Ah, ben, vas-y, bien sûr. Alors, quel est lequel des deux ça. Vas-y, vas-y. Eh ben, exactement. Lequel des deux fait le plus de sport? Je pense qu'on est équivalent. Hein. Ouais. Moi, je fais quasiment 1 heure par jour de sport. Putain, bah alors moi, c'est 1 heure par semaine. Hein. Vous avez de la chance, on voit que vous êtes jeune. Hein. Millier deux. Moi, je fais un peu moins maintenant, quand même. Mais moi, je préfère les sports un peu plus longs, genre VTT et tout ça. Et Blaise est plus dans le high intensity. Ok. Lequel des deux est le plus jeune? C'est moi, ça, c'est. Ça, c'est le plus. Et j'allais dire c'est le plus chevelu, mais non, c'est terminé. 88, hein, 88. Tu vois, quand toi, tu as commencé ta carrière, hein, Pierrick. Exactement. En 92, j'ai fait le national. Et le numéro 1, c'était par ordre alphabétique. Et le numéro 1 au national en 92, il s'appelait Abadi. Est-ce que ça a un rapport avec Blaise? 92, il y avait mon père, mais ça m'étonnerait que ça soit lui en 92. Je pense pas. Non. Tu lui demanderas? Ouais, je lui demanderas si j'ai roulé avec lui. Ouais, 92, ça m'étonnerait. Au national, peut-être, mais. Là, tu lui demanderas. Ouais, je demanderai ça. Une autre j'ai question. L'impression qu'on a tu sais, les interviews de Hardisson. Tu sais, il va nous sortir le buzzer. Hein, tu vois. Ouais. Non, quand même pas. Il y a un truc qui est-ce qu'on ira rouler un coup dans le sable ensemble? Alors, repose la même question en enlevant dans le sable. Rouler, ouais, enlève dans le sable. Ouais, mais rouler, c'est tellement bien. Rouler, c'est avec plaisir. Alors, vous savez sable, quoi hein. Comme Raphaël, la même chose, je vous invite à venir rouler dans le sable quand c'est l'été à Loon Plage et qu'il est sec. Je vous jure que vous vous en remettez jamais. Peut-être. Regardez l'épisode qu'on a fait à Dubaï. Franchement, le terrain de sable, il est géant. Si tu veux, le sable, si tu veux, il n'y a pas les ornières qui t'emmènent à droite ou à gauche. Tu sais, tu galères pas. Et si tu veux, tu te laisses aller. Ça ressemble à un jeu vidéo. Si vous voulez faire du sable, arrêtez juste au mois d'octobre. C'est tout. Juin, octobre. En parlant de sable, peut-être Olivier, une suggestion aussi. Je n'ai pas du côté de Loon Plage. Est-ce que vous voulez une anecdote sur Olivier un peu? Oui, justement, on a eu une personne qui demandait ça tout à l'heure. Une anecdote sur Olivier. Alors, le plus rigolo, si tu veux, c'est qu'à chaque fois, on est tous des campagnards, on est tous des ruraux. Donc, si tu veux, à chaque fois qu'il y avait le Supercross du Stade de France, à chaque fois qu'il y avait le Supercross de Paris, de Bercy, tu vois, si tu veux, il y a toujours un moment où on se faisait chier et on se disait, avant ou après le Supercross, tiens, si on allait au Bois de Boulogne pour regarder un peu. Alors, il y avait deux jeux qui étaient sympas. Alors, le premier, c'est qu'Olivier, il te dit, ouais, pas de problème, vas-y, monte, on va y aller. Et donc, Olivier, le jeu préféré, évidemment, c'est qu'il arrivait tout doucement à côté des dames ou des messieurs hein, qui travaillent. Il s'arrête et il ouvre la fenêtre passager. Il ouvre la fenêtre passager et là, évidemment, la personne s'engouffre dedans pour soit piquer ton portefeuille. Et donc, si tu veux, c'est toujours un moment très gênant. Mais un jour, j'ai été malin, j'ai dit, écoute, on pose la voiture et si tu veux, on se promène dans le Bois de Boulogne. Sauf qu'à chaque fois que quelqu'un, une dame ou un monsieur commençait à nous courir après,
Je me rappelle de ce moment-là, on était avec Jean-Claude Mousset et justement et Olivier Nitard. Jean-Claude et moi, on a simplement mais accéléré le pas, sauf qu'Olivier, il en était impossible. Et si tu l'avais vu boiter en nous criant dessus, aidez-moi, il ressemble à mon père. Non, mais là, pour ceux qui connaissent Jackie Nitard, hein, Jackie Nitard a qu'une perruque. Donc là, c'était un très, très grand moment. On a rigolé, je peux te dire qu'on n'est pas, reparti le chercher. Hein. Bon, donc, je vous invite à continuer en tout cas les voyages avec lui. C'est vraiment, c'est quelqu'un de humain et de génial. Moi, je l'ai vu en live sur Satellisé, en enduro. Ah, il m'a dit que c'était une glisse de l'avant. Ouais, c'était une glisse de l'avant ou c'était plus costaud? Non, c'était plus costaud. Il a fait d'abord une glisse de l'avant et une demi-heure après, en fait, sur deux sauts, ben, vu qu'il ne peut pas se lever physiquement, c'est plus possible pour lui, il est resté assis. Et ça a fait beu, et là, comme ça, il a mis l'avant et après, oui, il a glissé, c'est sûr. Mais une fois qu'il a planté un petit peu le nez de l'avant, j'ai vu sa petite carcasse, tu sais, la petite carcasse svelte d'Olivier Nitard, taper comme ça au sol et écraser, rouler contre un arbre. Donc, ouais, une petite chute qui a valu 9 côtes. Il y en a un qui marque une histoire de DV. Ouais, c'est David Dulmen d'ailleurs qui demande ça. Qui demande de raconter l'histoire de la voiture de l'autre. Oh putain! Alors j'en ai deux. Parce que David Dulmen, clairement, les gens, comment ils le perçoivent? Ils le perçoivent comme un gros con ou alors un mec génial. C'est vrai ou pas? Ouais, il tranche soit l'un soit l'autre. Il divise lui. Voilà, exactement. Donc moi, si vous voulez, clairement, David, le jour où j'ai fait tout le cadet, le junior, le mini-vert, et à chaque fois, il m'a battu. Je crois que j'ai battu 2 années au junior parce que je pense que j'avais eu la puberté plus tôt que lui. Donc, il était très maigre. Et donc, une fois que sa puberté est passée, si tu veux, il m'a rebattu. Donc, il a toujours été meilleur que moi. Mais il m'avait dit, écoute, Pépé, l'hiver, te faire chier et qu'il pleuve dans le Jura, viens aux US. Moi, j'ai besoin d'un copain pour m'entraîner et toi, à la limite, ça te fera faire des footings au soleil. Et puis, si tu veux, tous les jours, tu iras rouler. Donc, du coup, en supercross. Okay, tu iras rouler en outdoor, ça te préparera pour les Grands Prix. Donc, ça, c'était plutôt sympa de sa part. Et en fait, j'ai découvert un autre mec parce que, si tu veux, on était toujours un peu en bagarre. Donc, c'était un peu compliqué. On avait beaucoup de respect pour l'un pour l'autre. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement instruit aussi. Mais ça, vous le savez déjà, je ne vais pas vous le raconter. Et donc, ce qui était marrant, c'est que j'ai connu le côté paternel de David Dulmen. J'ai connu son côté paternel. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'entraîner, je lui ai dit, allez, je vais aller à l'Ekelsinor. Alors, pour info, c'est lui qui m'a trouvé la moto. Limite, c'est lui qui m'a avancé l'argent pour l'acheter le temps que la banque fasse des transferts. J'ai tout fait la moto dans son garage. J'en ai foutu partout. J'avais un des meilleurs lits de la maison. Enfin, bref, c'était très, très généreux de sa part. Il avait autre chose à foutre que ça parce qu'il préparait le Supercross US. Et même, d'ailleurs, il est même venu me voir à l'entraînement des fois alors qu'il était en jour de repos, lui, le jour où j'allais m'entraîner. Et donc, à force de m'entraîner avec Elsinore, je lui ai dit, DV, est-ce que je peux faire le Supercross US? Vous imaginez bien, donc on est en 2003, j'ai quand même 25 ans, je lui demande d'autorisation. DV, ça t'embête? Et en fait, je ne me suis pas aperçu du danger. Et donc, lui, il le savait, mais il n'a pas osé me le dire. En fait, aujourd'hui, quand tu te fais mal aux États-Unis, ça te coûte 2 à 300 000 dollars. Lui, il le savait déjà. Et si tu veux, il se chiait dessus. Malgré tout, il sait qu'il y avait une licence, il sait que ça peut peut-être passer. Et puis, d'un autre côté, il sait ce que c'est que le Supercross US, il sait que c'est très dangereux, que c'est flippant. Et donc, si tu veux, il m'a interdit de faire un AM. Donc ça, il faut le savoir, c'est lui qui m'a interdit de faire un AM. Donc ça, c'était un peu, ça m'a fait chier et tout. Et il m'a dit, tu sais quoi, un AM2, si tu regardes un AM en tant que spectateur, autant un AM2, tu as le droit d'y aller. Donc pour l'histoire, je me suis qualifié en finale à un AM3. Grâce à lui, parce qu'il m'a donné l'autorisation, il m'a donné tous les conseils possibles et imaginables. Je me rappelle une journée à l'Ekelsinor où je n'arrivais pas à dribbler. Je lui disais, mais DV, je te jure, parce qu'il ne s'entraînait jamais à l'Ekelsinor, il s'entraînait toujours, si tu veux, au terrain YAM qui était nickel. Et donc, je lui dis, je te promets, tous les soirs, je rentrais, je lui dis, mais même les pilotes qui sont là-bas, Brock Sellard, il y avait tout le monde. Les mecs passent à côté des whoops, ils sont mal faits, ils sont. Et si tu veux, il m'a dit, il est venu à l'Ekelsinor. Il est passé une fois dans les housses. Une fois. Et il a rechargé la moto, il m'a dit voilà. Et là, je me suis rendu compte du gap qu'il y avait, tu vois, qui était énorme. Et donc, juste pour info, donc c'est grâce à lui que j'ai fait mon premier Supercross US. Et donc, avec beaucoup de conseils. Une autre anecdote, c'est que sa générosité, c'est-à-dire qu'une fois, je vais sur l'outdoor,
Lui, il n'avait pas le temps. Donc, moi, je m'étais démerdé. J'étais allé à l'hôtel. J'avais loué une moto bah, chez le même loueur de moto qui loue les motos, tu sais, de Olivier Nitard quand il fait des stages au cross-up. Donc, pareil, je récupère la moto, je change, je mets mes suspensions, je monte à Sacramento tout seul en camion. Donc, évidemment, il m'a insulté. Il m'a dit, tu vas quand même pas faire un outdoor tout seul. Mais je dis, mais j'ai pas le choix, j'ai personne, j'ai pas de mécano. Donc, je suis monté jusqu'à Sacramento tout seul. Et en fait, en deuxième manche, il tord le disque, je crois, au deuxième tour. Il est revenu habillé, complet. Il a juste enlevé le maillot parce qu'il faisait 40 degrés. Et si tu veux, j'étais 15 dans la manche. Donc, tout seul, sans mécano. Il a pris le pitboard de son mécano et donc il m'a panoté. Donc il a quand même panoté le numéro 916 habillé UFO, toute la manche habillé Fly Yamaha US. Et donc il m'a panoté, tu sais, avec la, avec la, comment le towel, comment on dit, la serviette blanche là, tu sais. Et il a gueulé sur moi jusqu'au bout pour que je tienne la manche. Donc c'était assez marrant. Donc ça, c'est le Il bon a pas côté de la noté ville. un peintre comme il dirait quoi. Oh, enfin, le peintre, il a fait 15 de l'outdoor, t'es gentil, toi. Un peintre qui soude, mais bon, c'est un peintre quand même, Voilà, numéro exactement. 916 et tout. Mais en tout cas, il s'en foutait des, il s'en foutait complet il s'en foutait complet du côté corporate. Il n'était pas du genre à réciter un panneau. Et donc ça, c'était très cool chez lui. Il avait des mauvais côtés, évidemment, DV. S'il était mal luné, s'il était mal luné au restaurant avec du monde, donc ça, c'était pas les bons côtés du bonhomme. Mais en tout cas, moi, je reconnais que le bien. Et c'est vrai que des fois, il me manque et j'aimerais bien. Putain, j'aimerais pas du tout faire un studio en face de lui. Je peux te dire qu'on voudrait s'engueuler. Alors, pour l'histoire de la voiture de Locke, alors c'est simple. Chaque fois que j'arrive aux États-Unis, si tu veux, comme les tournages de MX Test, c'était tout au dernier moment. Donc, j'arrive aux États-Unis à 6 heures. Genre, j'arrivais directement au terrain YAM pour le retrouver. Donc, avec le décalage horaire qui est très, très, très puissant, si tu veux, aux États-Unis, plus des embouteillages où tu y restes pendant 2 heures, où tu t'endors à moitié. Eh ben, il n'y avait encore pas le téléphone portable, mais j'ai quand même réussi à foutre la bagnole de Locke contre un camion. Tu sais, les camions, en plus, ils se déportent vachement sur l'arrière. Donc, je n'ai pas tapé. Je me suis enfilé sous le camion. J'ai explosé le capot. Et donc, je lui ai dit, DV, j'ai un souci. Je crois que j'ai abîmé la voiture de Locke. Et il m'a dit, Pépé, ne te fais aucun souci. Tu mets un coup de polish. Les mecs à la voiture de Locke, ils ne verront jamais aucune différence. Et alors moi j'ai rigolé, je lui ai dit, non, je crois pas. Parce que il m'a vu arriver avec la Ford Focus, avec le, je te jure, c'était un accordéon le comment, le capot. Il m'a dit non, là il faudra un peu plus. Alors, il y a Chadrick qui est arrivé, il y a Chadrick qui est arrivé et qui s'est foutu de ma gueule aussi. Et vous voulez une dernière anecdote? Puis après bon, je vais me coucher. Vas-y. Sur Chadrick, DV, comme c'était un comment un rebelle aussi, et qui me voyait m'entraîner dur, physiquement, à pied, en vélo, en moto, en supercross, machin, aux US. Il y a un moment, il m'a dit, tu sais quoi? Le terrain YAM, le mardi, il n'y a personne dessus. Donc, il me dit, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les clés, on ouvre le terrain YAM, et tu vas t'entraîner comment, au terrain de supercross YAM. Et si tu veux, il y a Chadrid qui l'a appris. Il a fait la gueule parce que je roulais là-bas et tout, et lui il roulait et il n'osait rien dire à DV parce qu'il allait s'en prendre une. Et donc clairement, il a senti que le Marseillais il était bouillant. Et genre, l'autre il voulait lui dire, mec, t'en as branlé, occupe-toi de tes fesses, gagne ton championnat et ne casse pas les couilles, quoi. Le mec il a traversé l'Atlantique, il n'a pas une thune, laisse-le rouler 20 tours et basta, quoi. Et si tu veux, le lendemain, il n'y avait personne parce qu'ils étaient en test ailleurs. Et si tu veux, avec DV, on se dit, putain, ça pue, ça sent la poucave. Et DV va s'entraîner et moi j'y vais avec la caisse à outils, tu sais, pour le panoter sans la moto. Et comme par hasard, le team manager de Yamaha arrive pour regarder DV ce qu'il faisait. Putain, je pouvais te dire un truc, c'est que on s'en est Heureusement rappelé que de t'as ça. pas sorti. Ouais, heureusement que t'as pas sorti la moto ce jour-là, quoi. Ah bah là, bah, il se faisait virer direct, DV. Il allait se prendre une amende et tout. Et si tu veux, il y avait encore le côté fraternité qui existait à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est mort. Un hein. Téléphone. C'était encore une période où tu ne pouvais pas filmer tout ce que tu faisais, tu vois. Donc. C'était hyper secret, ces terrains d'ailleurs, ces terrains officiels. Ça Oui, restait. c'était d'ailleurs secret, alors que maintenant, c'est limite, il n'y a pas des gradins, tu vois. D'ailleurs, peut-être que ça a changé. Peut-être qu'il y a peut-être même une barrière à l'entrée. Lui peut nous dire, DV, s'il y a une barrière à l'entrée ou s'il y a. Ou s'il y a. Ou si, au contraire, c'est toujours freestyle et que tout le monde vient regarder un petit peu, mais. Enfin, c'était marrant, mais enfin, il nous en est arrivé des bonnes, des vertes et des pas mûres avec des V, donc c'était plus sympa. D'autres trucs qui nous arrivaient,
Putain, j'avais roulé à Anza avec lui. D'ailleurs, on s'était tiré la bourre sur un terrain. J'étais au summum du rêve ultime. L'époque, celui qui entraînait DV, c'était David Bellet. Donc là, j'étais sur une autre planète. Et j'ai été super déçu ce jour-là parce qu'il y avait Ricky Johnson qui roulait. Et lui avait pris du poids. Lui, il n'avançait absolument plus rien. Et j'ai roulé. Et je te jure, il roulait. Mais même pas, il faisait le podium en B, en ligue, si tu veux. Et j'étais passé à bloc à côté de Ricky Johnson et ça m'avait fait un coup, tu sais, parce que Ricky Johnson, c'était. Putain, mais c'était Villopoto, tu vois. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, les mecs, Villopoto roule toujours vite, hein, si je crois bien. Ouais, les anciens roulent vite quand même, encore. Carmichael roule toujours vite. Donc voilà, donc les petits jeunes d'aujourd'hui, le petit Lopez, le jour où il ira à Anza, il va en chier pour doubler les mecs qui regardaient à l'époque. Hein. Ouais, les anciens qui restent dans le milieu roulent, j'ai l'impression, ça roule encore vite. Ouais, ouais. Et puis DV, il roule absolument pas, mais s'il roule, il va rouler très très vite. Parce que lui, en plus. Il roule vite encore, il y a des pilotes comme ça. DV, c'est peut-être celui qui roulerait le plus vite parce qu'il roulait en réfléchissant. Tu sais, il roulait pas à l'instinct, il roulait pas au cœur, il roulait pas à l'attaque. Donc il roulait avec des trajectoires, avec du pilotage. Donc si tu veux, lui, ce qu'il lui faut, c'est juste faire un peu de vélo de route. Arrêtez de faire du casino et je peux te dire qu'il est plus rapide que nous tous. Par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est un peu bizarre pour un mec qui a gagné 7 Supercross US, c'est que c'était quelqu'un comme Tom Bial qui détestait tomber, détestait se blesser, d'ailleurs il s'est blessé très peu. Et si tu veux, lui, s'il ne roule plus aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, si tu veux, tu peux faire un droite-gauche et puis ça peut mal se finir, tu vois. C'est toi qui voulais parler de Ryan Hughes. Hein. Bah, Ryan Hughes, il a beau faire tout ce qu'il veut, il a beau expliquer tout ce qu'il veut, clairement, à chaque fois qu'il monte sur une moto, il monte en l'air et il finit dans une ambulance. D'ailleurs, clairement, il ferait mieux d'arrêter parce que le problème, c'est que ce n'est pas de la bonne pub. Et quand tu le regardes rouler, si tu veux, il passe tous les virages debout dans l'ornière. Tu sens que si la roue avant part, il est par terre et qu'il se fait une épaule. Donc, il y a un moment, enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il ne se fait pas de la bonne pub parce que la plupart, enfin, la moitié de son discours est quand même super positif, tu vois. Il dit pas que des conneries, hein, Ryan Hughes. Ouais, après c'est plus fort que lui, quoi. C'est la passion, je pense. C'est... Oui, et puis il débranche, quoi. Un business, quoi. Voilà, il débranche. Ouais, ouais, on a vu, oui, mais comme à l'époque. On a vu Olivier Nittard qui a débranché sans même pouvoir se mettre debout. Exactement. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rouler avec Evert, Pépé. Alors oui, je me suis fait battre par Evert toute ma carrière. Et je ne suis pas le seul, c'est la bonne nouvelle. C'est que tu peux rajouter Michael Pichon dans ce cas-là. Ouais, tu peux rajouter Thierry Bétis. Tu peux rouler autres derrière. Quoi. Après, ça fait partie de nos points communs, Pépé. Moi aussi. Oui, c'est vrai, on s'est fait tous. En soi, tu vois. Il y a beaucoup de monde. On s'est tous fait battre par Evert, c'est exactement ça. Non, je n'ai jamais réussi à faire une seule manche devant Evert. J'ai dû doubler une fois de Maria dans ma vie, une fois Pichon, et ça a duré 10 mètres. Et c'est tout. Mais. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, raconte ton meilleur souvenir en motocross. Bah, ce n'est pas vraiment louable, mais mon meilleur souvenir en motocross, c'est que ma meilleure manche absolue, hein, c'est-à-dire que là où je pense que j'étais au summum, bah, cette manche-là, je ne me suis pas fait prendre un tour par Carmichael. Là, c'est... Ouais, alors, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est l'époque, ouais, mais c'est l'époque où Carmichael, il a gagné toutes les manches. Ouais, il a toujours soudé Carmichael. Ouais. Mais quand tu c'est fais. C'est l'époque Carmichael, quoi. Voilà, exactement. Si tu veux, quand tu te mettais derrière une grille pendant 35 minutes aux États-Unis et que tu prenais pas un tour par Carmichael, c'était bien. Voilà, c'est tout. Donc ça se résumera ni à une place, ni à un point, ni sur un championnat. C'est que le highlights de ma vie, c'est que j'ai fait une manche de 35 minutes. Il faisait 45 degrés, c'était à Sacramento et j'ai pas pris un tour par Carmichael. Donc c'était le highlights de ma vie, tu vois. C'est exactement cool. Ça. Bon, merci pour toutes ces anecdotes et ces deux heures de live, c'est cool. C'était bah, un grand plaisir. Bon, et bonjour à tous. Bonjour à tous, en tout cas tous ceux qui nous ont suivis. Franchement, ouais. Robin, je ne sais pas si c'est le Robin que je pense, qui a organisé la course 500 à Crisol. C'est ça, c'est lui. C'est Robin. Il déteste Boiserie, il me déteste à moitié, donc moi je l'adore. Plus on me déteste, plus j'adore. Il y avait DV, il y avait Olivier. Écoute, j'ai envie de te dire que j'ai l'impression d'être dans un parcoureur des années. 98, donc c'était parfait. Merci pour ce que vous faites, en tout cas. Hein. Ouais, avec plaisir. Et on va se retrouver de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau live, probablement. Et on se retrouvera sur les terrains avec Pierrick ou à l'enduo avec Raph aussi, pourquoi pas. Ouais. Et nous, on se revoit normalement pour la journée. Et vous êtes là, la journée up à Chardonnay-Martigues. Je sais qu'il y aura Raph. Je ne sais pas si toi, tu seras dans la. Moi, je serai là.
Ah ben, et normalement, je suis la Châteauneuf-et-Martigues avec la 450 CRF 2002. Eh bien, c'est cool. Ben, moi, ça serait une Sherco 300. Eh bien, tu l'essaieras. Tu pourras me dire ce que vaut une moto de 20 ans avec grand, grand, grand plaisir. On roulera sur de la terre, quoi, du coup. Donc, c'est bien. Oui, ça sera de la terre, exactement. Puis après, on se reverra normalement début juillet à Morocco, c'est ça ? Exactement. C'est ça. Et bien, voilà. Tu avais parlé de Majest. MX Réflexion, pas dans le sable. Donc, c'est que des bonnes nouvelles, tout ça. Exactement. Puis on se verra à Majest cet été ou au mois de septembre. Salut les mecs, en tout cas. Allez, salut, bonne soirée. Merci, salut. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.